Ah ouais. Ah ouais, je vois. C'est donc ça. C'est ça une ambiance post-Covid. Franchement, lorsque j'ai quitté le métier en février 2020, quand on abordait un sujet de présentation comme celui-là, il y avait une salle en délire. Il y avait des applaudissements, il y avait plein de choses. Donc, non, on va pas les faire maintenant. On va pas les faire maintenant. On va dire à la régie de remettre le teaser un petit peu plus fort. Et quand je monte sur scène, on dira que c'est improvisé. Quand je monte sur scène, je veux le feu dans cette salle. Ah, c'est autre chose quand même! Ah, c'est quand même autre chose! Voilà! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour! Trois mots me viennent à l'esprit, là, immédiatement. Waouh! Quel pied! Quel pied de se retrouver enfin! Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, que ce soit au stade ou ailleurs, donc quel pied de se retrouver enfin! Un waouh de revoir toutes ces images tout à l'heure! Des highlights, des temps forts de l'US Saint-Malo. Et pour ceux qui étaient là et qui ont vu toute la vidéo, vous avez pu voir à un moment de temps qu'il y avait une place pour la Tour Eiffel. Vous en comprendrez la signification tout à l'heure. Et un dernier waouh et un dernier quel pied, c'est de vous voir aussi nombreux dans cette salle à assister à la présentation du projet porté par l'US Saint-Malo du stade des Terre-Neuves. Comment va durer, notre matinée? 2 heures, on va être 2 heures ensemble qui vont être très rythmées, où différents intervenants vont venir me rejoindre sur le plateau. Il y sera question de trois volets, un volet sportif, un volet économique, un volet juridico-financier. 5 intervenants, chacun ont travaillé dans leur domaine de compétences. Le premier qui va m'accueillir et qui va me rejoindre, pardon, sur cette scène, c'est Yves. Mais avant cela, je vous ai parlé de 1h15. C'était un appel du pied, Yves. T'as vu? Tac, le faux départ. 1h15 de présentation. Et après, c'est vous qui allez pouvoir nous poser des questions par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à des sujets de compréhension que vous voulez avoir un petit peu plus amplifié. On va vous donner la parole. Il va y avoir une interactivité avec notre public. Maintenant, Yves, c'est à toi. Je vous demande d'applaudir sous vos applaudissements, Monsieur Yves Fantoux, président de l'US Saint-Malo. Merci. Merci, Marc. J'ai eu peur qu'il refasse une troisième fois pour se faire applaudir tout à l'heure. Non, par contre, quand je vois ton masque, je rebondis Oui. deux, trois choses. On va se permettre sur scène d'enlever les masques. Vous avez conservé les gestes barrières et je vous en remercie infiniment. Conservez vos masques pendant toute la durée de la présentation. Et dernière petite chose, si vous pouviez mettre sur vibreur ou éteindre vos téléphones portables, ça n'en sera que meilleur pour la présentation.
Yves, c'est à toi. Merci Marc. Donc merci moi aussi. Waouh, quel plaisir de vous retrouver. Un grand merci aussi déjà pour les 5 euros que vous avez mis tout à l'heure pour la Banque Alimentaire. Je m'explique, il y a quelques temps, Paul Chédimur m'appelle en me disant « Écoute Yves, on a des étudiants de l'IUT, 50, qui sont en grande détresse alimentaire et une centaine en détresse alimentaire. » Voilà, cette matinée, elle est tournée vers la jeunesse et je voulais qu'on ait tous conscience de ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour notre jeunesse? Voilà, en tout cas, merci pour la Banque Alimentaire et merci pour ces 5 euros que vous avez versés. Merci beaucoup Yves. Yves, on va attaquer tout de suite. Oui. Et on va mettre les pieds dans le plat. Ouais, tout d'abord, Marc, ouais. Tout ce que vous allez voir, les images ne sont pas contractuelles. C'est-à-dire que on a imaginé des usages autour du football. Ce que vous allez voir, ce sera peut-être pas ça, même sûrement pas ça. Mais voilà comment on se projette. Donc, ne dites pas que ces images-là sont définitives. Ce n'est pas vrai, on ne pourra pas le confirmer. OK, Yves. Donc, la première question, oui. Comme je le disais tout à l'heure, qui me brûle les lèvres. Marc. On a vu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses dans la presse, on a entendu énormément sur les réseaux sociaux et autres. Pourquoi l'US Saint-Malo a-t-elle organisé cette matinée de présentation aujourd'hui à Ciné-Vauban ? Tout simplement parce que c'est un grand projet, c'est un beau projet, enfin à nos yeux, vous pourrez en juger par vous-même, et qui mérite vraiment des explications. Donc, on a choisi de vous en parler de cette façon-là. Et puis, on a vu les uns les autres pas mal de polémiques ces derniers jours dans la presse, même hier soir, sur nos lieux de rendez-vous. Il faut simplement savoir que si on avait été invité à présenter notre projet et nos demandes à la mairie directement, vous pensez bien qu'on aurait été très fiers d'aller à la mairie de Saint-Malo. Donc j'ai un peu de mal à suivre ces polémiques, mais pour être très précis, avec tout ce qui peut être dit, notamment sur notre méthode, il paraît qu'on n'a pas la bonne méthode, alors je vais vous dire précisément ce qu'on a fait. Avant le premier tour des élections municipales, certains sont là encore aujourd'hui, nous avons rencontré 5 candidats qui avaient demandé à nous voir. Et là, nos demandes étaient tournées sur le foot féminin et le stade. Nous avons rencontré 5 candidats. Entre les deux tours, nous avons fait 2 réunions partenaires, le 24 et le 25 juin, où là, les 2 derniers candidats, vous étiez là avec vos équipes, on vous a renouvelé ces demandes, football féminin et stade. Après les élections, là, on a des gens qui sont élus. Et là aussi, donc effectivement, les réunions n'ont pas eu lieu à la mairie. Mais ça, il suffisait de nous le dire. Et puis, on sera allé vraiment volontiers. Nous, on travaille de façon assez pratique. On fait en sorte de simplifier les choses. Mais si on avait demandé d'aller à la mairie, il n'y avait absolument aucun problème pour nous. Donc, le 18 septembre 2020, nous avons rencontré Gilles Lurton, Jean-Virgile Krantz, Abel Quigné. Le 6 octobre 2020, lors de l'AG de l'USSM, certains d'entre vous étaient là, c'était à la CCI. Abel Quigné et Florence Abadi sont même intervenus sur ces thèmes-là, donc à notre AG, le 6 octobre 2020. Le 23 janvier 2021, et là maintenant on n'est plus sur le projet féminine et stade, on n'est plus uniquement que sur le stade. Excusez-moi, c'est un peu long, mais ça mérite des précisions d'après ce que j'ai compris. Le 23 janvier, présentation à la mairie où on accueille Caroline Tarot, Jean-Virgile Krantz, Abel Quigné, Christophe Jaffrelot. Et on présente le projet que vous allez voir tout à l'heure. Bien sûr, ce projet, on l'enrichit sans arrêt. Notamment, on l'avait déjà enrichi pour la présentation à l'Aglo le 7 avril 2021, où on rencontre Dominique Delaporte-Barré, Pascal Simon, Joël Hamel et M. Berthiaud, administratif de l'Aglo. Voilà, donc 3 vice-présidents. Et avec eux, on convient d'une réunion qui devait avoir lieu le 11 mai. Donc à chaque fois, le timing est un peu long par rapport à nos habitudes. Mais bon, c'est comme ça. Et là, donc 3 jours avant, cette réunion est reportée, signée d'IE, par un courrier que nous recevons 3 jours avant. Et je peux vous dire que ce qu'on vous présente là, c'était prêt à ce moment-là. Et on nous demande un dossier complet. Et on nous fait part aussi de projets d'implantation d'entreprises sur la zone Atalante, forcément. Donc, nous, il est hors de question de s'immiscer dans la communication de l'agglomération. Nous avons rencontré 3 vice-présidents. La communication interne, ce n'est pas à nous de la faire. Là, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis à Saint-Jouan, sauf que là, déjà, on a vu que la majorité de l'opposition était réunie finalement contre le projet,
qui sans doute ne connaissent pas, donc c'est déjà un bon point. Mais on voit des choses comme quoi on va ouvrir des boucheries, enfin, ça me concerne sans doute moi directement sur ces sujets-là. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu bizarre, et vous allez voir qu'il n'est pas question de tout ça. Voilà, donc ce qui s'est passé avec l'agglomération et la mairie, mais de toute façon, sachez qu'on est très apaisé, enfin de mon côté, de côté de l'US Saint-Malo, très apaisé et qu'on peut continuer des discussions sans problème. Pour vous faire part également, vous dire un peu ce qu'on a fait, notamment au niveau des politiques, nous avons rencontré le 23 avril Stéphane Perrin, vice-président de la région et candidat au régional, donc sur la liste de Loïc Chesnais-Girard. Nous avons rencontré le 13 mai Anne Le Gagne et Thierry Burlot. Le 22 mai, nous avons rencontré Nicolas Belloir, adjoint également donc à la mairie de Saint-Malo et candidat au régional, avec Isabelle Le Canenec. Et pour être complet, nous avons rencontré M. le sous-préfet et accompagné de M. Guéguin le 11 mai. Voilà pour la méthode. Donc maintenant, il est temps de passer à autre chose et au projet. Ce débat est clos, Yves. Oui. Voilà. On va parler sport pendant cette présentation. On va parler économie, on va parler environnement, mais il sera surtout question de jeunesse. Oui, enfin, bien évidemment, notre club est tourné autour de ça. Et aujourd'hui, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'il faut une action tout de suite. Beaucoup d'associations se mettent en place autour de la jeunesse, enfin pour dire que la jeunesse va être endettée, enfin tout ce qu'on veut sur la dette qu'on peut avoir, la dette financière ou même la dette environnementale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes aujourd'hui? Et comment on se lance? Comment on démarre? Voilà. Donc c'est autour de ça que tourne ce projet. Dernière question, on va parler du nom du stade, oui, stade d'Eterneva. Le stade d'Eterneva, bien entendu. Anna Michel, je t'ai aperçu tout à l'heure, donc tu sais à peu près de quoi on parle. Donc à peu près donc 5 siècles finalement de gens qui vont à la pêche à Terre-Neuve. Et pour nous, ça nous a semblé opportun et depuis une évidence, depuis qu'on a trouvé ce nom de stade, entre la mer et la terre. On est ici sur un projet de territoire. Moi, je suis de Saint-Brolandre. Il y a des gars de Mignac que je connais, tous dans nos familles, où on a eu des gens qui partaient pour Terre-Neuve, issus généralement des petites fermes de notre arrière-pays, et qui partaient et qui embarquaient sur les bateaux. Voilà, donc ça nous a semblé évident de rassembler tout ça. C'est un vrai projet de territoire. Ces bateaux-là aussi, c'était aussi de l'économie. Ça a rapporté et ça a fait vivre des gens, non seulement qui sortaient de leurs fermes, mais qui pouvaient vivre également grâce à ça. Donc ça nous a... Il a semblé évident de faire ce lien avec l'histoire et d'appeler le stade d'Eterneva. Je vais rajouter, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec Alain-Michel Blanc, je vous invite à aller voir le deuxième volet de Mémoire de Brune qui raconte l'histoire d'Eterneva. Et j'en profite pour saluer Lionel Martin et Yassine Chaperon qui vont nous écouter ou qui sont peut-être dans la salle. On les salue vraiment, ce sont deux figures emblématiques d'Eterneva. Ils ont embarqué sur un bateau, le premier bateau, en tant que mousse. Ils avaient 14 ans. Ils en sont devenus capitaines. Et la dernière chose que je tenais à préciser par rapport à ce nom d'Eterneva, c'est que le dernier bateau qui est parti faire une campagne à Terre-Neuve est parti de Saint-Malo en 1951. Voilà, donc un rappel à l'histoire. Merci Marc. Petite chose aussi quand même sur le club, 1901. Ouais. 1901, 120 ans. On va peut-être fêter simplement les 121e ou 122e, parce que cette année, ce n'est pas si simple que ça, ou on verra peut-être en fin d'année, l'année n'est pas finie. Et puis autour du football. Et du football, voilà, c'est plutôt sympa d'avoir des ballons ici. Je pense que avec un but comme ça, on devrait être capable l'un et l'autre de marquer, Marc. Voilà, donc autour du football, avec le football qui a cette particularité de rassembler les gens, d'être un vecteur de mixité sociale, vraiment qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ici, on a des joueurs de chez nous, on a des anciens dirigeants, on a des dirigeants. Voilà, enfin, on a un monde très varié, mais comme au stade. Voilà, donc c'est pour nous une façon de rassembler. Merci Yves, je te laisse prendre place autour des manches debout et tabourets. Et on va commencer la présentation de ce stade d'Eterneva, où
sur le premier volet, dans le premier volet, il sera question de sport, il sera question de stade, il sera question d'ambition sportive, il sera question de projet de territoire, de projet au cœur de son environnement, de formation, de stade connecté, de centre de performance. Et pour cela, je vais vous demander d'applaudir chaleureusement M. Fabrice Roland, directeur général de l'US Saint-Malo, et M. Fabien Pugeot, entraîneur général de l'US Saint-Malo et coach de l'équipe N2. Messieurs, soyez les bienvenus sur scène. Merci. Fabrice, on a fait la chronologie ensemble. Tu sais que tu dois commencer le premier. C'est toi qui donnes le go, c'est quand tu veux. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un vrai privilège pour moi de vous dessiner les contours de ce projet. Donc ce projet, c'est bien plus qu'un stade. C'est une nouvelle ambition pour le territoire avec un lieu de vie et d'activité 365 jours. Un stade qui ne vit que l'instant des matchs est insuffisant aujourd'hui au regard des enjeux d'un territoire, au regard des enjeux d'un club sportif. Donc ce que l'on va vous proposer aujourd'hui, ce que l'on va vous présenter, c'est évidemment un stade, le lieu, le théâtre des rêves, le lieu des exploits du week-end, mais c'est aussi un centre de performance où les sportifs de la formation à l'élite se préparent à réaliser l'exploit, à pouvoir évoluer dans les compétitions le week-end. C'est également un centre de formation au métier du sport. Avant de pouvoir en faire un centre de formation, comme on l'entend dans l'environnement professionnel, c'est une dominante forte tournée autour de la jeunesse que l'on va pouvoir vous détailler. C'est également du sport en entreprise, puisque la zone que nous visons est en pleine connexion avec l'activité économique. Donc nous avons une expertise dans le domaine. Ce sont des espaces stadium business, donc en lien avec nos partenaires, en lien avec l'activité sportive, l'US Saint-Malo, ses 220 partenaires, c'est 75% du budget qui est porté par des partenaires privés. C'est une dominante très très forte et on va la retrouver ici avec de nouvelles activités. Et un pôle innovant, un pôle exceptionnel pour le territoire, une vision Saint-Malo et le pays de Saint-Malo 2050 où vous allez retrouver des activités économiques, des espaces entreprises et des bureaux où on va apporter une vraie dynamique sur l'entrée du territoire. Et puis un restaurant. Donc on parlait de commerce tout à l'heure. C'est le seul commerce, mais il a un vrai sens dans la zone que l'on va vous présenter. Ce projet, il débarque, il trouve son origine sur une ambition sportive. Et ce projet, il est très ambitieux dans sa globalité. Et notre ambition sportive, elle est forte, mais elle est organisée, elle est structurée et elle est raisonnée. L'expérience de l'US Saint-Malo aujourd'hui, c'est deux pôles. Et c'est une particularité que l'on ne retrouve pas dans tous les clubs. C'est deux pôles de haut niveau. Un pôle féminin, un pôle masculin. Le pôle féminin, aujourd'hui, son équipe Fagnon évolue en division 2 française. Nous faisons partie, depuis 4 ans, des 18 meilleurs club français féminin. Nous avons une vraie expertise dans le domaine depuis 1994, date de la création de la première équipe féminine senior. Nous avons construit patiemment, des générations ont construit patiemment cette expertise dans le sport féminin. Et depuis 4 ans, nous sommes sur le podium. Donc par un projet dans lequel Fabrice Garin, l'entraîneur de l'équipe des deux féminines, le responsable sportif du football féminin, y a apporté toute sa patte. Et ce qui nous permet aujourd'hui, dans un marché, excusez-moi le terme, mais très compliqué, avec l'arrivée de nombreux clubs professionnels, de faire notre place, d'être sur ce podium et d'affirmer cette ambition de la marche supplémentaire de la D1 féminine. Il faut voir ce que ça peut représenter. Saint-Malo, parmi les meilleurs clubs féminins, c'est un atout indéniable. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est une force pour le club d'afficher cette ambition. Et donc, nous souhaitons la porter haute et très fort au sein de notre organisation. Et puis, l'ambition sportive masculine,
Alors, on le sait, hein, on l'attend tous, on attend déjà cette première marche, le national. Nous sommes très humbles face au travail qui est devant nous et nous avons une dynamique qui est engagée depuis juillet 2020 avec l'arrivée de Fabien Pujaut, notre entraîneur de l'équipe nationale 2, mais aussi notre entraîneur général, qui a écrit, co-écrit, construit avec son équipe éducative un projet technique, sportif, mais un projet de vie aussi, qui doit nous emmener, qui doit nous porter vers la première marche, le national, et puis vers une ambition très haute, qui est la Ligue 2, mais qui correspond à quelque chose d'atteignable par rapport au territoire, par rapport à Saint-Malo, par rapport à la notoriété, et ça nous permettra, dans ce projet, d'apporter aussi une nouvelle dynamique, une nouvelle image sportive de jeunesse pour le territoire, au-delà de la notoriété, bien évidemment, internationale de Saint-Malo. Le projet que l'on dessine, alors vous avez, les choses ont forcément transpiré hein, dans la presse, dans notre présentation, dans notre teaser. La zone, elle s'inscrit à l'entrée du territoire, dans un nœud stratégique où convergent toutes les voies, qu'elles soient de Rennes, qu'elles soient de l'Est et de la Normandie, de l'Ouest et de l'ensemble de la Bretagne, voire des Pays de Loire, c'est l'entrée de territoire. C'est un lieu où un pôle sport et loisirs a sa pleine vocation. L'agglomération a implanté un lieu, une activité structurante, c'est Aquamalo. Et pour nous, notre projet, le projet que l'on propose à l'ensemble de la population du territoire, c'est de s'implanter sur cette zone. La zone, c'est Atalante. Alors Atalante, sa première vocation, sa première destination, c'était en lien avec les activités économiques de technologie de la mer. Certaines activités se sont développées, mais beaucoup d'espaces restent disponibles. Et il y a un espace stratégique pour nous qui est un vrai trait d'union. C'est cette zone 2 en bleu que vous voyez sur la partie centrale qui va être le vrai trait d'union entre le pôle sport et loisirs qui a été implanté avec Aquamalo en zone 3. L'agglomération a dérogé au règlement de la ZAC, a fait évoluer le règlement de la ZAC pour implanter cet équipement collectif destiné au sport et aux loisirs. Et puis, en zone 1, vous avez le secteur technologique, les entreprises. Et notre projet, il est à destination du sport, mais de l'économie, beaucoup de l'économie, et de la jeunesse. Et donc, c'est un formidable, pour nous, trait d'union. C'est une formidable opportunité pour le territoire, bien au-delà de l'US Saint-Malo, vous allez le comprendre, de s'implanter sur cet espace. Alors, selon nous également, nous suggérons un certain nombre de choses, mais pour nous, ça doit être un nouveau souffle pour le sport à Saint-Malo. L'acte est fort de, effectivement, rejoindre un espace qui est en dehors du cœur de la ville, mais c'est, pour nous, le sens de l'histoire. Et donc, en libérant Marville, un site exceptionnel au cœur de la ville, mais qui a ses limites, en libérant Château-Malo, nous offrons à l'ensemble des organisations sportives de la ville un nouveau souffle. Il y a aujourd'hui des besoins qui sont forts, qui sont exprimés par des associations importantes de la ville. Je pense au Cercle Jules Ferry Rugby. Je crois que le président doit être parmi nous, Guy Villon, aujourd'hui. Il y a des vrais besoins. Ils sont implantés aujourd'hui dans l'hippodrome avec des structures qui ne sont pas adaptées à leur projet de développement. En libérant Marville, nous pouvons offrir cette possibilité. La JA Saint-Servant, qui a une vraie problématique d'infrastructure. Voilà. Ce sont des associations avec lesquelles on partage. Alors, le Cercle, c'est sur la partie athlétisme. La JA, c'est sur la partie football. Mais déjà, nous sommes en coactivité sur cet espace. En libérant, nous offrons vraiment ce nouveau souffle et nous suggérons cela à l'ensemble des décideurs de la ville. Le projet. Alors, vous le voyez à plat, vous aurez tout à l'heure une immersion dans le projet sur
un dessin, une esquisse qui sera vraiment inspirante. Le projet, vous le voyez, il est donc dans cette zone centrale, cette zone 2 que nous voyons tout à l'heure, ce trait d'union entre Atalante, que vous voyez au sud du terrain, et au nord, les entreprises, dont notamment l'entreprise Goémard. C'est un stade, dans un premier temps, vous le voyez sur la droite de ce visuel, un stade sur lequel je vais détailler sa configuration. Trois terrains d'entraînement, ce sont déjà les besoins que nous avons et les infrastructures que nous utilisons. Nous avons le besoin de trois terrains d'entraînement, mais que nous utilisons aujourd'hui entre Marville et Château-Malo, d'une manière effectivement disséminée. Là, c'est de globaliser, c'est de recentrer. Vous allez y retrouver de l'activité économique. Nous allons vous les présenter. Vous allez retrouver toute une accessibilité. Le nœud routier est déjà là. Tout est préparé, tout est construit pour permettre que cet espace devienne le grand projet du territoire. Et c'est un projet au cœur de son environnement. Pas de cosmétique derrière ça. Il est de bon ton de parler ou de colorer en vert aujourd'hui les projets. Là, il y a vraiment du sens. Il y a vraiment du sens parce que déjà, ce site, il est accessible par un réseau routier et il est accessible par un réseau de bus. Alors, ça paraît assez banal, mais dans le monde sportif, ça n'allait pas tout à fait. Les stades en France, notamment dans le cadre de l'Euro 2016, alors toute proportion gardée, je vais vous parler de certains stades qui sont dans une autre dimension que les nôtres, mais la logique est la même. Les stades sont souvent construits et ensuite, nous imaginons comment y accéder. Aujourd'hui, il y a un réseau bus qui dessert la zone Atalante. C'est un vrai atout. Et vous retrouvez également une liaison douce, une piste cyclable qui rejoint Saint-Malo à cette zone-là. Les atouts sont là. Les infrastructures sont existantes. Nous avons une logique de mutualisation des parkings avec Aquamalo. Là aussi, Aquamalo est une dynamique, apporte une dynamique à notre projet et inversement. Donc, nous sommes vraiment dans cette logique de mutualisation. Et ce projet, plus largement, va apporter des solutions énergétiques aussi, hein, vous voyez, beaucoup d'énergie dans ce que l'on dit, énergétiques responsables. Et là, vous allez être certainement bousculé par ce que nous avons imaginé, le Saint-Malo 2050, où on va y retrouver des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais aussi de la production d'énergie avec, par exemple, l'énergie solaire photovoltaïque, des ombrières, hein, donc c'est les toits qui recouvrent les parkings. Vous allez retrouver en périphérie du projet une station hydrogène et puis ensuite des techniques assez connues et assez validées dans le domaine, des récupérations de pluie très sélectives, zéro phyto, donc une vraie empreinte environnementale dans ce projet. C'est un lieu de vie et de développement territorial. Vous l'avez compris à travers mes mots, nous allons créer de l'activité. Il y en a déjà une structurante, c'est Aquamalo. Aquamalo, hors contexte Covid, vise 350 000 visiteurs par an. Notre projet, c'est d'apporter 250 000 usagers. Hein, donc on a traduit ça en passage supplémentaire pour porter donc la fréquentation de ce site à 600 000 personnes par an. C'est un hub d'entrée de territoire absolument exceptionnel. Donc il y aura des salariés. Alors, pour information, l'US Saint-Malo est une PME, vous l'avez compris, avec un budget porté par le privé, donc une PME qui crée son écosystème. C'est 38 salariés aujourd'hui, on projette une cinquantaine. Et puis, c'est 300 à 400 salariés que nous visons par les activités que nous allons, avec des partenaires, apporter sur cette zone. Donc, c'est une vraie création de richesse, c'est une vraie création d'emplois qui est projeté sur le territoire avec différentes activités innovantes. Les spectateurs, on est très humble là aussi, on affiche le volume de spectateurs actuel. Bien évidemment, vous avez compris l'ambition sportive, ce volume-là progressera avec nos performances. Et donc, dans l'ensemble, ce sont des nouveaux services aux acteurs du territoire dans une logique de synergie et de complémentarité sur la zone, je me répète, entre l'espace Aquamalo et les entreprises déjà existantes. Le stade. Alors, une capacité
global de 5000 places. C'est un stade, on ne peut pas baptiser de grand stade comme on peut l'entendre, c'est un stade à dimension raisonnée, à dimension du territoire. Les règlements de la Fédération française de football, de la Ligue de football professionnel, ont beaucoup évolué. Terminé l'époque des grands stades surdimensionnés, vous avez un taux de fréquentation à 20 ou 30%. Non, un stade, il doit vivre avec son territoire, il doit correspondre à son territoire. Et donc 5000 places, c'est une jauge qui est raisonnée, je le dis, qui correspond aux besoins. Dans un premier temps, avec 3000 places assises couvertes, évolutives à 5000 avec les pourtours. C'est un règlement classé niveau 2 pour la Ligue 2. C'est aussi un stade qu'on imagine avec une modularité, une évolutivité pour lui permettre de grandir si effectivement nos performances le nécessitent. C'est une pelouse hybride, une technologie aujourd'hui qui est éprouvée et approuvée par de nombreux clubs. Je prendrai l'exemple breton évident de la Rabine à Vannes, où vous avez le rugby qui est aux portes là du top 14 et le football qui évolue dans la même enceinte avec une qualité de pelouse exceptionnelle. Donc c'est ce que nous visons pour accueillir les 40 matchs à minima de haut niveau. Je le rappelle, la particularité de l'US Saint-Malo, deux équipes de haut niveau qui évoluent en championnat de France nationaux, équipe féminine, équipe masculine. C'est un point essentiel et important. Et puis, c'est aussi, vous l'avez vu, hein, le fil conducteur, c'est un projet de territoire. C'est un projet de territoire qui dépasse le seul aspect football US Saint-Malo. Et c'est un site magnifique qui permettra d'accueillir de grands événements sportifs et culturels. Fabrice, je t'interromps 30 secondes. Tu viens de dire un mot magique pour moi qui me sonne beaucoup, le mot événement. Es-tu en train de dire aux gens présents ici que le stade des Terre-Neuve pourra accueillir demain, peut-être pas l'équipe de France A, mais pourra accueillir une sélection espoir, pourra accueillir des sélections nationales, voire des matchs amicaux de clubs de Ligue 1. C'est ça que tu es en train de nous dire ? C'est exactement ça. C'est toute notre ambition avec un outil qui est adapté au sport de haut niveau et puis une région qui accueille chaque été, notamment, des sélections étrangères, des sélections nationales, des équipes professionnelles en stage, tout à côté, à Dinard, à Ploufragan. Et donc, aujourd'hui, ce stade, le stade des Terre-Neuve, sera le théâtre d'accueil de ces événements sportifs de grande ampleur, des matchs de gala l'été pour une nouvelle offre aux touristes qui viennent en nombre et effectivement permettre à l'ensemble des habitants du territoire de découvrir du très haut niveau sportif. Dernière petite précision, on voit sur cette slide le mot culturel. Le stade des Terre-Neuve a-t-il vocation demain à accueillir des concerts? Je pense notamment aux organisateurs de la Route du Rock à Saint-Malo. Je pense notamment aux organisateurs et ceux qui gèrent la salle La Nouvelle Vague. Je pense à des tourneurs, à des producteurs. Peuvent-ils venir ou pourront-ils venir demain à Saint-Malo faire produire leurs artistes? Effectivement, Marc, puisque j'ai évoqué la modularité du site. Aujourd'hui, un stade, il doit vivre, vous l'avez compris, 365 jours par toutes les activités. Et les activités culturelles font partie de cette ambition. Ça sera un outil qui permettra d'accueillir effectivement de grands événements culturels. Et on peut imaginer également, dans le cadre de la Route du Rhum, par exemple, un village exceptionnel déporté pour un moment particulier. Bien évidemment, l'événement doit se faire au cœur de Saint-Malo, au port, au pied des remparts, c'est une évidence. Mais ce stade, grâce notamment à l'ensemble de la capacité de stationnement de 1000 places en mutualisation avec Aquamalo, permettra de faire vivre aux portes de la ville de grands événements, y compris des événements culturels. Merci beaucoup Fabrice, tu vas laisser temporairement ta place à... tu parles non, du QG. J'ai encore, ouais. Ouais, ouais exactement, ouais. C'est vrai, c'est le premier bug, c'est les aléas du direct. Pas de souci. Ouais. Au cœur, alors vous voyez à chaque fois sur la présentation, vous avez en petit focus là-haut sur un petit focus sur la zone pour bien que vous repériez un peu sur ce projet que vous découvrez. Donc au cœur du centre
d'activités du club, au cœur des, notamment des terrains d'entraînement, vous allez retrouver le QG. Alors le QG au rez-de-chaussée, c'est un centre de performance où donc on va retrouver, et c'est Fabien qui va vous le présenter dans le détail, on va retrouver toutes les conditions optimales de haut niveau pour préparer nos sportifs de la formation des plus jeunes jusqu'aux équipes élites. Un vrai lieu de vie, de préparation à la performance pour l'ensemble du club, toutes composantes confondues. Et puis à l'étage, un centre de formation, donc je développerai ensuite, après la présentation de Fabien, je ferai un petit retour, et rassurez-vous, vous n'aurez pas à me supporter toute la présentation, où je vais pouvoir vous développer notamment la partie centre de formation et le siège. Là, c'est quelque chose de plus classique, mais surtout le centre de formation où il y a une vraie dominante, bien évidemment, tournée vers la jeunesse. Merci Fabrice, merci beaucoup. Fabien, je vais te demander de prendre la place de Fabrice. Fabrice vient d'évoquer un projet sportif, une ambition sportive. En face de ce projet-là, il faut des moyens matériels, financiers, on a parlé tout à l'heure des partenaires. Il faut des équipements. Je sais que tu as travaillé, tu étais responsable d'un groupe, tu étais capitaine d'une équipe qui a bossé depuis beaucoup de mois sur ces équipements-là. Est-ce que tu peux nous en faire le détail et surtout, quel type d'utilisation ? Alors, avant toute chose, bonjour à tous. Veuillez excuser mes imperfections de ce matin parce que j'ai beaucoup d'émotions, parce que ce projet m'a embarqué. Et c'est difficile de passer derrière Fabrice. Donc, je vais aborder le sujet surtout du projet sportif, puisque Fabrice l'a dit, avec l'ensemble des éducatrices et des éducateurs du club, on a écrit un projet sportif sur 4 ans, 2021-2025. C'est quoi ce projet ? Donc, ce projet a été présenté au club et validé par le club. Ce projet, c'est un modèle de jeu, c'est-à-dire une façon de jouer où toutes les équipes du club vont se ressembler. Avec une philosophie, la prise de risque et l'audace, une méthodologie de travail commune, une méthodologie d'enseignement commune et un savoir-être commun. Donc le savoir-être, c'est connaître son corps, connaître son alimentation, connaître son environnement. Ce projet s'articule autour de deux lignes directrices, les jeunesses du territoire, et le pôle élite, la D2 féminine aujourd'hui, et la nationale 2 masculine. À partir de ce projet sportif, on a élaboré un centre d'entraînement. Trois terrains. Pourquoi trois terrains ? Parce que ça suffit pour accueillir toutes nos équipes du club, pour les matchs du week-end de compétition, mais aussi pour accueillir sur un même site la semaine pour les entraînements. Toutes les équipes avec une cohérence, et ça c'est important pour nous, d'utilisation de l'espace. Aujourd'hui, nos équipes s'entraînent sur un quart de terrain, un demi-terrain. Avec ce centre d'entraînement, les équipes pourront s'entraîner sur un terrain entier. Ensuite, ces terrains seront accompagnés de petites tribunes pour favoriser le lien social et la convivialité des spectateurs, et de vestiaires, surtout sur le terrain 2 et 3, ou 2 et 3, inversement, parce que il y a des normes FFF qui font qu'il faut des vestiaires à proximité des terrains pour pouvoir utiliser ces terrains en compétition. Concernant le choix des surfaces de jeu, on a fait un choix de trois terrains synthétiques nouvelle génération en liège. Alors pourquoi synthétique ? Synthétique pour la résistance de cette surface aux conditions météo, ce qui va permettre une utilisation plus fréquente dans une région où la pluie n'est pas non plus en voie de disparition. Et avec un entretien pour nous moins coûteux et plus simple à gérer qu'une pelouse naturelle. Pourquoi en liège ? Parce que ça ne chauffe pas sur la période d'été, ça n'a pas d'odeur et c'est plus écologique, en conformité avec l'agenda COP21, c'est les accords pour préserver la planète et protéger l'humain. Ensuite, nous avons un planning d'utilisation des terrains qu'on a synthétisé. Donc, vous observez une présence quotidienne, une répartition très cohérente sur l'espace de jeu, et surtout, en vert, des créneaux libérés, donc où on aura la possibilité d'accueillir nos clubs voisins et du foot entreprise.
Fabien, oui, Marc. Tu as parlé des terrains, des trois terrains synthétiques avec équipement en liège. Peux-tu nous en dire plus sur le bâtiment, si tu peux le montrer avec le pointeur ? Le bâtiment qui est au centre, le bâtiment bleu que Fabrice a nommé le QG. Sur la partie rez-de-chaussée, c'est une partie qui va être dédiée au sport. Je sais que tu n'es pas architecte. Tu vas le dire tout à l'heure. Non, je ne vais pas le dire, parce que tu l'as dit. Mais donc, tu as imaginé, pareil, avec tes équipes, la fonctionnalité de ce rez-de-chaussée, de ce QG. Alors, voilà pourquoi il a dit que je n'étais pas architecte. On a la réponse. Donc, un centre de performance, d'accord ? Pour nous, l'objectif, c'est que ce pôle sportif soit le plus fonctionnel possible, voilà, afin d'accueillir dans les meilleures conditions le plus grand nombre de publics sous toutes ses formes et soit le plus performant pour le sport de haut niveau. Donc il y a le pôle académie, qui se situe ici et qui va utiliser bien sûr toutes ses installations. Donc le pôle académie pour nous, c'est du plus petit, 6 ans quand il arrive au club, jusqu'au senior. Donc 8 vestiaires que vous avez ici. Donc, à proximité des terrains d'entraînement, d'accord. Réponse au cahier des charges, puisque des matchs auront lieu sur le terrain 1. Donc, cahier des charges, c'est vestiaire délégué, vestiaire arbitre. Et la possibilité, bien sûr, sur ce terrain 1, de pouvoir accueillir nos équipes R1 aujourd'hui, R2. Donc, toujours avec un cahier des charges. Donc, pour nous, ce centre de performance, c'est une organisation performante, surtout au service du licencié. Alors avec, ouais, je vais le montrer, un open space pour les éducatrices et les éducateurs, pour qu'ils puissent échanger, un local matériel, un local à maillot, une laverie, une salle vidéo, un pôle médical, une salle de sport santé, performance, pour faciliter le travail de nos éducatrices et nos éducateurs et pour la progression de nos joueuses et de nos joueurs. Et le pôle élite, donc le pôle élite qui se situe ici. Donc, vous avez vu, il y a marqué N1 et il y a marqué D1F. Pourquoi ? Parce qu'on est à une marche de ces deux niveaux. Et moi qui arrive au club et qui observe le dynamisme, l'intelligence, la cohérence de toutes les strates du club, je suis convaincu que très vite, ces deux équipes atteindront ces niveaux-là. Donc à partir de là, on doit anticiper. Donc il y a, sans dire de bêtises, la salle de course performance, d'accord, donnant accès au terrain 1, le terrain d'entraînement. Pour nous, c'est un espace de 210 mètres carrés avec une salle isolée pour des cours collectifs, yoga, pilates, step, training, cardio, relaxation, sophrologie, et un espace plus grand pour un travail spécifique des membres supérieurs et des membres inférieurs, pour un travail de réathlétisation. Puisqu'aujourd'hui, on ne s'entraîne plus en venant simplement à la séance, on se prépare avant et on récupère après. Donc c'est un lieu pour nous exceptionnel. Ensuite, il y a le médical, donc le pôle médical haute performance pour nous, cryothérapie, table de massage, soins balnéo, bain froid, bain chaud, conseil diététique, programme individuel de remise en forme, contrôle de la charge de travail parce qu'on a aussi acquis des GPS, tests d'effort, tests médicaux, les échographies, la radiologie. Donc très très complet pour le pôle élite et pour, comme l'avait dit Fabrice, recevoir des équipes nationales, des stages. Donc on répond totalement à ces attentes. Une salle vidéo, donc aujourd'hui indispensable avec les nouvelles générations et avec la jeunesse pour transmettre des messages pédagogiques. Deux vestiaires ici pour le pôle élite, deux bureaux à proximité du terrain et des vestiaires, un vrai lieu de vie. Et au milieu, pardon. Non, juste une petite remarque. Vous voyez tout de suite que l'importance de l'égalité homme-femme. Vous voyez, on a exactement les mêmes conditions pour les hommes et les femmes chez nous. Et puis, dans ce que dit Fabien ici, c'est pas de la science-fiction. Tout le médical, tout ce dont il a parlé là tout à l'heure au niveau médical, on le fait déjà aujourd'hui. Très bien, Président. On peut applaudir le Président. Et pour terminer, le clubhouse, donc essentiel dans la vie du club, donc il va permettre aussi de favoriser un lien social entre les générations à proximité du terrain 1 pour les matchs. Donc, pour conclure sur ce pôle sportif, donc l'objectif c'est d'accueillir en priorité nos équipes de l'académie, notre pôle élite, mais aussi des actrices et des acteurs extérieurs sportifs de haut niveau, sur du sport individuel,
sportifs de loisirs, sport entreprise, club professionnel, sélection pour stage, Fabrice l'a dit, ou matchs internationaux. On prend l'exemple de Dinard qui, cet été, a reçu Saint-Étienne, Rennes, Bordeaux et Brest. Aujourd'hui, ce centre de performance, plus le stade, plus le centre d'entraînement, pourra permettre d'accueillir ces équipes-là. Logiquement, tu as une question à me poser. Oui, mais tu dois changer la slide. C'est vrai. Voilà, voilà. On va parler du stade. Pardon. Fabrice en a parlé tout à l'heure. Il a parlé de capacité, il a parlé de modularité, il a parlé de fonctionnalité, il a parlé de pelouse hybride. Fabien, toi, ton environnement à toi, à ton groupe, comme Fabrice Garin avec les Diablesses, c'est toute la partie vestiaire. Est-ce que tu as quelques détails à nous donner, justement, sur ce qui reste la vie de groupe et un lieu de vie de groupe qui est hyper important tout au long de l'année et notamment avant les matchs? Toujours pas architecte. L'UALTEC, je fais très court. Hein. Aujourd'hui, puisque Fabrice a dit on veut recevoir des matchs internationaux, il y a un cahier des charges qui est clair, donc 4 vestiaires, des dimensions bien particulières. Se rajoute au haut niveau une salle de pré-échauffement. Donc l'objectif pour nous, c'est de répondre au cahier des charges pour le très haut niveau, puisque c'est l'objectif du pôle élite, de la section féminine et de la section masculine, et aussi de recevoir des équipes ou des matchs internationaux, des équipes professionnelles. Donc on répond totalement à ce cahier des charges sur le vestiaire. Voilà. Merci beaucoup Fabien, je vais te... Pardon ? N'oubliez oui. pas, oui. embarquez avec nous, voilà, et merci à vous. Il est parfait, il est parfait. Merci Fabien. Fabrice, je vais te demander de reprendre place autour du pupitre. Et de terminer, puisque là on vient de voir, Fabrice, on vient de voir le rez-de-chaussée, il nous reste la partie étage, c'est celle qui te concerne un petit peu plus toi et tes équipes, salariés du club, administratif. Donc présente-nous ce projet-là. Merci Marc. Alors, il y a une petite poursuite de la partie sportive, en fait, puisque je l'ai évoqué au départ, une activité de sport en entreprise. Vous avez compris, il y a une vraie connexion entre le sport et l'activité économique. Et donc, cette présentation, elle vient en écho à un appel à projet qui a été lancé par l'agglomération sur la zone d'Atalante pour offrir des nouveaux services aux salariés de la zone. Et dont à l'intérieur de cet appel à projet, qui comporte également des salles de réunion, qui comporte également un restaurant, donc nous y reviendrons tout à l'heure. Se trouvait à l'intérieur de cet appel à projet une activité de sport en entreprise. Et tout simplement, nous sommes dit, notre réflexion, c'est de dire nous avons des éducateurs diplômés, et pas uniquement diplômés football, c'est-à-dire que nous avons des éducateurs diplômés, alors, pour les spécialistes, BPJEPS, sport pour tous, sport collectif, qui sont à même et qui ont les compétences professionnelles pour enseigner d'autres activités sportives. Et nous avons les espaces. Fabien vient de vous les présenter avec talent. Donc, tout simplement, l'US Saint-Malo peut répondre à cet appel à projet et être un acteur d'activité de sport en entreprise. Ce n'est pas le cœur de notre métier, mais c'est tout à fait en cohérence avec le stade et nos éducateurs qui ont les diplômes nécessaires. Donc, le siège et le centre de formation, donc au cœur toujours de cet espace, à l'étage de ce QG, où l'on va retrouver le siège. Alors, je vais passer assez rapidement. C'est le lieu d'administration d'une PME classique où on va retrouver toutes les fonctions support pour le fonctionnement du club, pour le fonctionnement du centre de formation que je vais vous présenter. Et puis, pour animer aussi toute la business zone que l'on va créer sur ce magnifique espace. Le centre de formation, je vais m'attarder beaucoup plus là-dessus parce que pour nous, ça s'inscrit également dans cette logique de territoire. Et l'idée, c'est de participer à la formation des acteurs du sport malouin sur des fonctions support. C'est un vrai projet éducatif territorial, alors qui a connu sa naissance, ses premiers pas avec une formation, une offre spécifique de formation donc à l'US Saint-Malo à destination de nos sportifs et sportives de haut niveau. Donc nous avons déployé cette année pour la première fois en partenariat
avec le campus Sport Bretagne, le CFA des métiers du sport de la Bretagne, situé à Dinard. Donc là aussi, avec toujours cette idée d'être attaché à son territoire, d'être engagé avec son territoire. Donc nous avons construit une formation qui s'appelle un CAP des métiers du football, qui est une formation qui a beaucoup été dispensée dans les centres de formation professionnelle, qui l'est encore, et qui se déploie aussi maintenant vers des structures amateurs de haut niveau, de niveau national, comme l'US Saint-Malo. Et donc, cette formation a été dispensée cette année à 13 sportifs et sportives évoluant en National 2 et en D2 féminine, sous le régime de l'apprentissage, avec une dominante essentiellement sportive, la préparation à la compétition, la préparation mentale, la préparation à la vidéo, tout un ensemble d'approches également, la partie médicale, les soins, mais à côté de ça, et c'est ce qui nous anime, c'est d'accompagner ces sportifs dans leur vie de sportifs de haut niveau, mais aussi leur vie de citoyen en déployant des formations générales, avec pour certains une remise à niveau nécessaire sur des matières générales, le français, les maths. Nous avons quelques sportifs qui sortent de centres de formation. Je ne dirais pas que les choses sont mal faites dans ces centres, mais on voit qu'effectivement, on doit donner certains enseignements pour remettre un peu le pied à l'étrier sur une dominante formation générale. Et puis des formations spécifiques qu'on appelle les formations technologiques. Donc ils ont eu le plaisir d'avoir des intervenants de très haut niveau, de très bon niveau, qui sont venus leur expliquer l'économie du sport, qui sont venus leur expliquer l'environnement social du sport, qui sont venus leur parler de communication, qui sont venus leur parler de création d'entreprise pour aussi les préparer à leur futur au-delà de leur carrière sportive. Donc cette formation, elle existe. Et notre projet, c'est de pouvoir déployer de nouvelles offres sur le territoire à destination de sportifs de haut niveau ou d'encadrants des organisations sportives de la région, avec l'idée de déployer des formations qui vont participer vraiment à la structuration et au développement de la filière sportive malouine, toutes disciplines confondues, de mer, de terre, individuelles, collectives, avec l'idée de projets de formation autour de chargés de communication, de chargés de développement ou de chargés de marketing sportif, qui sont vraiment des domaines qui vont permettre au club de se structurer. Donc c'est notre ambition de territoire, de partir de notre expertise et de pouvoir s'ouvrir. Vraiment, l'objectif de l'US Saint-Malo, au travers de ce projet, d'une manière plus large, c'est de s'ouvrir à la jeunesse, c'est de pouvoir participer à la formation de la jeunesse autour des métiers du sport. Un tel lieu, c'est évidemment l'accueil du public. On l'a évoqué, de nombreux usagers vont fréquenter cet espace. Mais il y a un lieu unique, c'est le stade. C'est ce que j'appelle le théâtre des rêves. Et ce lieu-là, il doit être pensé, imaginé pour proposer une expérience spectateur unique. Vous l'avez compris, une jauge, pour moi, vraiment à taille raisonnée par rapport au territoire. 5000 places, l'idée, c'est d'en faire un petit chaudron, quelque chose où les gens seront proches de l'événement sportif, seront proches des acteurs et vont pouvoir partager des moments de vie ensemble. Et là, on fait vraiment, on imagine, on construit, on projette un projet où tout le monde va se retrouver. Tous les spectateurs, tous les fans de football, de fans de sport de haut niveau vont se retrouver les week-ends ou en semaine autour d'espaces de convivialité. Alors, la bodega, il va falloir qu'on trouve un nom un peu plus breton. Donc, si vous avez des suggestions, on sera vraiment preneurs. Mais c'est pour rappeler l'esprit festif. Voilà. Et on voit bien que ces masques et cette pandémie nous a enlevé ce côté-là, nous l'a enlevé à Marville, nous l'a enlevé dans tous les stades de France. Et on veut retrouver cet espace et on veut vraiment prévoir des zones pour le grand public où les gens vont vivre une vraie expérience humaine dans un premier temps, mais aussi digitale. Parce que notre projet, il est tourné vers les nouvelles technologies. Il est tourné vers l'économie du futur. Et donc, forcément, en lien avec l'interaction humaine qui est absolument nécessaire, il y aura une interaction digitale. Et donc, nous avons un certain nombre de partenaires au sein du club qui vont participer à cette aventure, qui vont participer à l'expérience spectateur en amont de l'événement,
où vous allez pouvoir effectivement avoir le maximum d'informations pour faciliter votre arrivée au stade, pour faciliter votre entrée et pour vivre une vraie expérience au moment du match, avec une immersion le match, dans l'événement sportif, au travers de statistiques, au travers de liens, au travers d'interactivité sur vos sentiments, l'expression de vos sentiments, et puis après le suivi, après votre visite, sur les réseaux sociaux, sur votre communauté, faire partager la joie, nous l'espérons, autour des exploits, la joie que vous aurez exprimée autour des exploits des équipes de l'US Saint-Malo. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice vient de clore le premier volet stade sport avec et Fabien. Puis, merci franchement, embarquez avec nous, franchement. Voilà. On va donc détailler maintenant le volet économique. Beaucoup de chefs d'entreprise, partenaires, responsables d'associations, Asprezica est présent ainsi que d'autres. Il sera question d'ambition économique, de projet entrepreneurial, de vision inspirante. Et j'insiste sur la vision inspirante, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il sera également question de formation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et surtout il sera question de création d'emplois. Pour ça, je vais appeler M. François Papini, directeur de l'agence conseil Stello, chef de projet d'Eterneva. Bonjour à tout le monde. Marc, merci pour cette introduction. Tu te présentes, François, parce que peu ici te connaissent, je pense. Voilà, donc vraiment en deux mots, je suis conseil indépendant et le plus important dans ces deux mots-là, c'est indépendant. Voilà. Donc voilà, on m'a posé deux questions relativement simples. L'USSM m'a dit voilà, on a des idées. Est-ce que tu peux valider et formaliser et creuser un peu ces idées-là? Et je peux vous dire qu'en étant indépendant, je suis, non seulement j'ai validé, mais je suis enthousiaste de ce qu'on m'a proposé. Et j'y ai travaillé avec beaucoup de ferveur. Et le deuxième point, c'est qu'on m'a aussi demandé, évidemment, d'identifier des premiers partenaires techniques et pourquoi pas des premiers clients. Et là aussi, on a coché pas mal de cases. On a bien bossé, je pense, sur les dernières semaines. Eh ben, on est impatient, François. Ben, moi aussi. On va rentrer, donc moi je vais vous emmener pas très loin du stade en réalité, un petit peu sur les côtés et voire même en dessous, vous allez voir. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait on est exactement sur le même territoire et la même ambition, les mêmes valeurs avec que porte l'USSM depuis déjà de nombreuses années. Et ce qui va relier les aspects économiques que je suis en train de vous présenter avec les aspects sportifs, c'est vraiment ce lien autour de la jeunesse, la formation, les métiers de demain, l'emploi de demain aussi, de porter une ambition pour le territoire, une ambition économique, parallèlement à une ambition sportive. Et vous allez retrouver ce trait-là partout avec une forte dominante de développement durable, parce qu'on ne peut plus asseoir aujourd'hui un développement économique et sportif autre pan que sur du développement qui soit absolument raisonné. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que ce lien conducteur d'ambition, de jeunesse, de formation, de nouveaux métiers de demain, c'est vraiment ça qui nous anime tous les jours. Deux petits mots. Alors, Yves en a parlé très bien tout à l'heure. Moi, je vais vous en parler un tout petit peu différemment. C'était Fabrice qui en avait parlé aussi, je crois. C'est un emplacement unique, la zone Atalante. Donc, non seulement on est au confluent, vous le savez, d'un certain nombre d'axes routiers et de flux naturels de véhicules, de populations là dans la région, ça paraît assez unique. Il y a de la place sur le territoire, il y a d'autres terrains, mais des terrains comme celui-ci, il n'y en a qu'un seul. Il n'y aura pas d'équivalent de possibilité ailleurs de cette taille-là avec ce potentiel-là. Sur un terrain de cette nature positionné de cette façon-là, on ne peut pas banaliser l'implantation de ce qu'on y met. Il faut des activités exceptionnelles. Un club de foot avec l'ambition de l'USSM est une activité exceptionnelle. Et il faut des activités de flux. Il faut des activités de flux. Et c'est bien ça dont je vais vous parler, vous allez voir. Je vais vous parler de flux de données, je vais vous parler de flux de véhicules.
Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir cette zone-là. On ne peut pas y mettre n'importe quel type d'entreprise. Il y a de la place pour faire beaucoup de choses là sur le territoire. Cet endroit-là est très particulier, il faut vraiment l'avoir en tête et porter une ambition qui lui soit parfaitement adaptée. Donc on va parcourir ensemble le petit bandeau qui est en bas, le business center, je vais vous parler de premier kilomètre, de dernier kilomètre, de data center et un petit peu d'énergie verte aussi, vous allez voir. Partons sur le business center. Donc ça n'a rien d'exotique, on s'est dit que, et ça, vous le savez très bien, que ça réunit du monde. Là, vous êtes tous différents dans la salle. Et le sport et le foot en particulier réunit énormément de classes de population, de classes d'âge. Vous avez toutes sortes de choses. C'est un lieu de business aussi, bien souvent. Il n'y a rien d'inhabituel à se dire on va aménager des bureaux autour du stade. Ce qu'il faut bien concevoir aujourd'hui, c'est qu'une entreprise ne se conçoit plus du tout dans son aménagement comme on pouvait le faire il y a ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire relativement proche. Et le Covid n'a fait qu'accélérer ces mutations-là. Aujourd'hui, nous souhaitons amener des nouveaux métiers et la jeunesse sur le territoire de Saint-Malo. Et on ne pourra le faire qu'avec des entreprises qui ont adapté ces nouveaux comportements, ces nouveaux usages, avec des bureaux qui soient mutualisés, avec de l'énergie propre qui soit disponible, avec des connexions Wi-Fi d'une très grande qualité. Les gens n'attendent plus aujourd'hui d'avoir un bureau, un fauteuil et un poste de travail. Ils sont heureux comme ça. Cette époque-là est terminée. Et l'attractivité de nos entreprises ici sur le territoire dépend aujourd'hui énormément de ces facteurs-là aussi. C'est un facteur très important si on veut attirer aujourd'hui des jeunes actifs. Donc, on va concevoir ce business center exactement dans cet esprit-là. Alors, c'est un peu provocateur, peut-être, mais les entreprises qui souhaitent s'implanter dans la région, et on en a rencontré pas mal, évidemment, ils aimeraient voir la mer ou voir le port. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'image. Ils veulent voir du bleu et de l'émeraude. Et quand on leur a parlé de voir plutôt le vert pelouse, ils ont tout de suite fait une déclaration d'amour à cette perspective en nous disant bah, les gars, c'est juste génial. Non seulement ça porte des valeurs extrêmement fortes et extrêmement positives, le sport, mais c'est un lieu de vie et un lieu de travail absolument exceptionnel. Et d'une expression de besoin initiale aux alentours de 2000 m² de bureaux, on est très rapidement passé en fait à 4000 m². Si vous faites une règle de 3 toute simple, vous amenez mécaniquement entre 200 et 350 emplois. Et je peux vous dire que la zone est extrêmement attrayante et sera tout à fait capable d'amener ce type d'emploi. Ce qu'on imagine, c'est d'avoir des entreprises à l'année, plutôt avec des caractères plutôt digitaux, embarqués dans leur business model. Et quelque part pour eux, le foot ne serait qu'un prétexte, un facteur d'attractivité très fort, une adresse exceptionnelle. Et donc, on va amener du coup mécaniquement beaucoup d'emplois à cet endroit-là. On va bien sûr agrémenter ce business center d'un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre les usages modernes que tout le monde attend aujourd'hui. Alors, il y a des choses assez classiques, un forum bien sûr pour faire quelques plénières qui sera mutualisé, des espaces de coworking qui facilitent les échanges intra et inter-entreprises aussi et qui pourront être aussi utilisés, pourquoi pas, par d'autres entreprises. Le restaurant, on en a parlé, aux couleurs de l'USSM, très probablement, on peut très facilement théâtraliser un restaurant et le rendre aussi unique. Et je pense que ça sera très agréable pour les gens qui vont y vivre à l'année ou qui viendront visiter ce restaurant que d'avoir ce théâtre sportif tout autour. Des choses assez classiques, des salles de réunion mutualisées. Un petit zoom quand même très particulier sur ce qu'on appelle un plateau numérique. L'utilisation des plateaux numériques par les entreprises en particulier, notamment pendant la partie Covid, s'est accélérée d'une manière extrêmement forte. En fait, ça permet pour des équipes qui sont à distance, des clients, des partenaires qui sont à distance, de faire des plénières avec beaucoup de monde dans des studios qui sont extrêmement professionnels. Vous avez le haut de gamme de ce qui se fait en termes digital et ça vous permet de gérer de manière très professionnelle vos réunions en distance. C'est un usage qui est en train de se développer. Aujourd'hui, il n'y en a pas ici sur le territoire pour l'instant. Il faut s'échapper un petit peu à l'extérieur et faire 80 bornes ou 100 bornes pour arriver à avoir quelque chose de correct. Donc, c'est un déficit dans la région et on pense que ça serait, enfin dans le territoire, et on pense que ça serait extrêmement important d'en mettre un en place. Et pour finir, bah, l'événementiel, on va disposer quand même de pas mal de surface au sol
qui n'auront pas d'arbres. Et on peut tout à fait imaginer, pour accompagner les événements dont parlait tout à l'heure Fabrice, ou d'autres types d'événements d'entreprise, y accueillir quand même quelques centaines de personnes. François, je te coupe deux petites minutes. Tu as parlé de mutualisation des espaces. Oui. Donc ça, c'est à l'année, effectivement. Un forum, espace de coworking, un restaurant. Est-ce que les soirs de match, et là, je m'adresse aux partenaires du club qui vivent les événements au club, qui vivent les matchs au club dans un seul salon hospitalité, l'espace Henri Guérin, est-ce que ce futur dispositif pourrait accueillir un ou plusieurs salons les soirs de match qui puissent accueillir nos partenaires, car je le rappelle, ils financent 75% de notre budget? Alors ça, j'ai bien compris hein, quand je suis arrivé. Le club est complètement exceptionnel par rapport à ça. Et oui, les gars, vous allez pouvoir bénéficier. Donc, je connais l'espace Henri Guérin. Voilà, on ne parle plus du tout de la même qualité de prestation. Et bien sûr que ça sera ouvert. Ça sera ouvert aux entreprises qui seront là l'année. Ça sera ouvert aux partenaires de l'USSM. Et ça sera probablement ouvert aussi tout au long de l'année comme une entreprise de service qui pourra mettre à disposition ces infrastructures. Y compris sur la partie événementielle, des one-shots. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, j'ai une vidéo à vous diffuser. Accrochez-vous bien à votre siège. J'espère que vous êtes bien tous réveillés. Alors, Yves parlait de choses non contractuelles. Là, on est dans notre pur non contractuel. Vous allez voir une vidéo qui est une vidéo qui a été très inspirante, en fait, pour le projet et qu'on a tous, je pense, très fortement en tête. Vous ne pourrez pas sortir de cet endroit sans l'avoir absolument dans votre tête, tellement c'est magique. C'est un projet qui est en cours aujourd'hui à Drancy, juste en face de la gare du Bourget. Vous allez la situer là sur le film. Et vous allez voir visuellement en fait, ce qu'on va faire en mieux sur le territoire de Saint-Malo. Et puis, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on a retenu de cette affaire-là. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça claque quand même pas mal. Donc évidemment, on ne va pas se mettre à faire de l'agriculture urbaine là, à Saint-Jouan. C'est pas très adapté. Par contre, ce que je retiens, moi, de cette histoire-là, c'est quand même qu'il y a une association des développements économiques et de sport qui a une utilisation des surfaces, une utilisation des volumes qui est extrêmement astucieuse. Et en particulier sur des problématiques qui ont retenu l'attention de l'USSM, qui sont des problématiques très malouines. Vous allez le voir, des problématiques logistiques d'une part, et des problématiques aussi de data sur le territoire.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce document. BPI France a sorti un document que j'ai trouvé complètement fulgurant. En fait, ils ont décrit leur vision du futur au travers de neuf grands enjeux qu'ils ont identifiés pour leur part. Et en fait, quand je suis tombé dessus, j'ai été saisi par la cohérence en fait, du projet qu'on est en train de mener avec l'USSM. Il parle de mieux se protéger. Je vais vous parler de data center et de protection de données, de cybersécurité, de bâtir les territoires de demain. Vous avez compris qu'on est en plein cœur d'un projet de territoire et de vision à long terme du territoire malouin. Réussir la transition écologique et énergétique, je vais en parler vers la fin de mon exposé. Créer l'entreprise et le travail de demain, repenser la formation initiale et continue. On est en plein dans une vision pour les jeunes actifs, les nouvelles entreprises, les nouveaux métiers. Vivre hier en bonne santé, répondre à l'épanouissement de l'individu. 9 et 7, je ne vous fais pas de dessin, on est au plein dans le sport, bien entendu, et tout ce que ça peut apporter de bénéfique, et des tas de sous-produits quelque part du projet que vous allez découvrir. Et enfin, faciliter la mobilité, vous allez voir qu'on est au cœur de ce dispositif-là, puisqu'on va travailler sur la mobilité de l'agglomération. On va parler de logistique urbaine. Logistique urbaine, classiquement, ça se découpe en quatre volets. Logistique du premier kilomètre, qu'on qualifie, c'est généralement qu'est-ce qui se passe quand vous avez passé votre commande, là, généralement, sur Internet. Pour Saint-Malo, ce qui est intéressant, c'est que le premier kilomètre, ça commence aussi à qu'est-ce qui se passe quand vous avez ouvert les portes du bateau. Qu'est-ce que vous faites de vos remorques? Comment vous les accueillez dans un sens? Comment vous les faites sortir de l'autre côté? Il y a une problématique qui est très typique au port de Saint-Malo. Le dernier kilomètre, le dernier mètre, c'est un problème partout en France. Il y a une désorganisation massive des transports sur le territoire et sur la région de Saint-Malo. Il va être urgent de faire quelque chose aussi. Et enfin, la reverse, c'est-à-dire la gestion des retours auxquels on ne pense pas, qui prend une place de plus en plus croissante dans les flux à l'intérieur des agglomérations et qui sont un facteur de pollution et d'engorgement très, très fort. Sur le premier kilomètre, vous allez voir deux fois la référence à ce document qui est le plan global de déplacement qui a été produit par l'agglomération de Saint-Malo. C'est un document remarquable, ça a été très très bien fait. Et il a été envisagé et clairement identifié une problématique effectivement de dégagement des poids lourds. Là, en imaginant une rocade de contournement qui allait notamment relier notre quatre voies à la gare maritime, au port. Et enfin, ils avaient bien identifié aussi qu'il y avait une problématique de stationnement des poids lourds. Et donc, ce problème de congestion a été clairement, à mon avis, identifié. Et parmi les zones qui ont été citées, vous avez la zone de Saint-Jean-des-Guérets, pas tout à fait à l'endroit d'Atalante. Mais en tout cas, ils ont bien identifié que c'était une zone clé. Je partage parfaitement les constats qui sont écrits là. C'est un travail qui a été fait de manière remarquable. Si on fait un petit zoom aujourd'hui juste sur la partie terminale, aujourd'hui notre terminal, là, il est essentiellement, quand on regarde en termes de tonnage, c'est beaucoup d'importations, quasiment 95% d'importations quand on regarde et on compare les tonnages. Aujourd'hui, et pour en avoir discuté avec les acteurs aujourd'hui sur le port, ils sont à saturation, ils ont des difficultés d'exploitation qui sont liées aux infrastructures, aux places qu'ils ont. Le besoin d'une base arrière en fait, qui leur permettrait de poser un peu moins d'une centaine de remorques là serait une source de décongestionnement très, très riche. Et ça serait surtout, en dehors de cette facilitation-là, ça serait surtout une possibilité de développement. Le port de Saint-Malo peut encore se développer dans sa capacité d'importation sur d'autres natures de produits à importer, mais aussi sur des capacités d'exportation. Aujourd'hui, les infrastructures sont limitantes et le fait d'avoir cette base arrière et Atalante est complètement illisible en termes de distance et avait été bien identifié par l'agglomération, ça serait vraiment un point très positif pour Saint-Malo. Ça, c'est sur le premier kilomètre. Parlons du dernier kilomètre. Alors, si vous êtes attentif à la presse, vous pouvez lire à peu près 10 fois par jour des articles différents sur ces sujets-là. Alors, il s'agit de livrer les centres-villes, il s'agit de livrer les agglomérations, les petites villes, pour les magasins, donc ce qu'on appelle le B2B, ou pour les consommateurs finaux, vous êtes tous, ce qu'on appelle souvent le B2C. Sur la période Covid, là, sur 2020,
On est en croissance depuis 15 ans hein, sur les livraisons, il ne faut pas se leurrer. Le Covid a forcément accéléré énormément ça. Et on est devant, de toute façon, quelque chose qui est irréversible. On ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que les chiffres que nous avons atteints là, nous continuerons à croître par rapport à ces chiffres-là. Les usages et les habitudes de consommation sont irréversibles. Quand vous allez faire un click and collect dans votre magasin le plus proche, où vous vous dites, ben, je ne fais pas de livraison à domicile, il a fallu amener cette pièce-là, cet endroit-là. Donc même pour les boutiques, elles ont intensifié leur fréquence de livraison à cause de ce click and collect. Donc aujourd'hui, vous avez vu que là, sur les produits non alimentaires, produits alimentaires, il y a de la croissance partout. Elle est très forte et très violente. Et c'est à l'origine, aujourd'hui, ça a été mesuré, de près de 50% de la congestion des centres-villes. Saint-Malo et le territoire est complètement concerné par ça. Et entre 30 et 80% selon les cas des stationnements gênants. Donc vous êtes tous retrouvés derrière une camionnette en train de livrer. Souvenez-vous, ça doit être assez récent, j'imagine. Voilà, c'est à cause de ça. Et enfin, le dernier élément qui est clé, c'est la pollution. La pollution. Plus d'un tiers aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la problématique du dernier kilomètre. Avec cette croissance-là, si nous ne nous occupons pas sérieusement de ces problématiques-là, on va devant de très, très gros problèmes. Je ne parle même pas de pollution, mais simplement d'engorgement et de qualité de vie dans nos agglomérations. Là encore, l'agglomération de Saint-Malo a bien fait son boulot là-dessus. Ils ont clairement identifié qu'il y avait un problème. Donc aujourd'hui, ce qui est écrit, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, c'est qu'ils envisagent de faire une étude. Je les encourage à la faire. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, je peux vous donner en avant-première, si ça sort d'ici, je saurais que c'est vous, les résultats de cette étude, qui n'a pas eu lieu, bien sûr. Donc l'étude va conclure à quelque chose de très simple, c'est qu'il y a un besoin urgent. C'est qu'il faut une plateforme avancée pour retenir les camions, les gros camions qui ne doivent pas rentrer à l'intérieur des agglomérations pour ne pas polluer et pour ne pas engorger. Et que cette plateforme-là, il ne faut pas la situer trop loin, sans quoi à 20-30 km du centre, sans quoi ben, vous êtes disqualifié économiquement parlant. Et si vous faites arriver vos camions trop près, eh bien, vous avez tout perdu, tout ce qui est, tous les avantages en termes d'engorgement et de pollution. Donc les résultats vont arriver à quelque chose qui va se situer dans le périmètre de ce que je vous raconte, c'est-à-dire qu'il faut une base de mutualisation à l'entrée du territoire. Et idéalement, vous allez voir, ils tomberont à peu près à la zone Atalante. Je pense qu'ils y arriveront assez facilement. La problématique, je vous ai mis ce graphique-là parce qu'il est très symptomatique de ce qui se passe et on n'y pense pas toujours. Quand vous êtes bloqué derrière un camion, vous ne savez pas toujours qu'il est vide, en fait. Quand vous recevez un carton qui est chez vous, vous allez constater qu'il a été bourré avec des tas de trucs. Ils sont vides, il y a du plein à peu près à 30 et 50%. Pour ce qui est des camions, c'est pareil. Nos camions qui nous polluent, qui nous encombrent, sont vides. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il y a une désorganisation massive du transport, du dernier kilomètre en particulier en France. Donc tant que nous ne mutualiserons pas, on n'arrivera pas à améliorer la situation. Donc l'enjeu, il est bien dans cette zone verte, vous voyez, dans les camions qui sont vides. Alors non seulement ils sont vides, mais vous avez des cartons qui restent aussi sur le quai parce qu'en fait, dans les périodes de pic, nos transporteurs ne sont pas capables d'assumer les pics correctement. Donc ils ne peuvent pas tout prendre non plus. Il y a les deux cas. Évidemment, l'idée, c'est de mutualiser, de remplir à mort les camions. Et pour ça, il faut passer par une plateforme. Et ensuite, bien sûr, faire rouler des petits porteurs, idéalement avec de l'énergie verte, pourquoi pas avec de l'hydrogène, on en parlera, pour livrer les agglomérations. La ville de Paris, après des décisions extrêmement drastiques, actuellement, les trois quarts des poids lourds et les deux tiers des véhicules utilitaires qui circulent dans Paris ne pourront plus le faire sans changer leur mode de motorisation, ne pourront plus le faire en 2024, c'est-à-dire dès demain. Entre parenthèses, une plateforme de mutualisation, c'est un objet très simple à mettre en œuvre. On n'a pas, c'est pas une grosse plateforme, on ne parle pas de 10 ou 20 000 m2, on parle d'un objet qui va faire à peu près 2-3 000 m2. C'est extrêmement rudimentaire, vous avez des gros camions qui rentrent et des petits qui sortent. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la partie informatique, l'intelligence qui est mise au service de la mutualisation. Mais aujourd'hui, c'est assez bien maîtrisé, donc ça commence à se faire, mais il y a peu d'initiatives qui vont dans ce sens-là. La conviction qu'on a, c'est qu'il faut le faire. Et vous avez vu que l'opportunité qu'on a sur ce genre de business-là, c'est qu'un, c'est très utile, et deux, on peut mettre ça sous un stade totalement ou partiellement. Autre point, data center. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les data centers, mais un data center dont on a tous en tête une ferme de serveurs, en fait, qui consomme de l'électricité.
C'est un peu la caricature du data center. Un data center, ça n'est pas que ça. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit slide qu'on n'a pas fait nous-mêmes avec nos doigts, mais que j'ai trouvé très intéressant. Oui, vous avez une ferme de serveurs, mais en fait, ce qui caractérise un data center, c'est que c'est une entreprise qui est dotée d'un niveau de sécurité périmétrique physique très important, un niveau de sécurité informatique très important, un niveau de sécurité électrique très important, climatisation très important. Donc, vous avez des gens qui vont contribuer à maintenir, à installer, à faire évoluer toutes ces installations-là. Et puis, ben, un data center, ça a des clients, parce que vous avez des entreprises qui vont poser leurs serveurs, qui vont poser leurs données. Et pour ça, il faut des ingénieurs, des équipes de projet qui sont capables d'accueillir et de travailler avec des clients. Donc, un data center, c'est une entreprise à part entière. Pourquoi je vous en parle, en fait, aussi ? Parce que vous avez probablement tous entendu parler de ce qui s'est passé dans la région de Strasbourg, là, en fin d'année dernière. En fin d'année dernière, il s'est passé quelque chose de notable, parce que je pense que ça a créé une prise de conscience extrêmement forte, en particulier dans les directions des systèmes d'information, mais surtout chez les chefs d'entreprise qui ont compris qu'ils n'avaient pas bien compris ce qui se passait avec leurs données. Ils avaient confié ça à des professionnels. En réalité, beaucoup d'entre eux se sont fait très mal sur cette opération-là. Certains en souffrent encore aujourd'hui à l'heure où je parle. Il y a des entreprises bretonnes qui ont perdu l'accès à leurs données pendant pas mal de temps. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'avaient pas bien programmé ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre en place des plans de reprise d'activité, plans de continuité d'activité. Ils ne savaient pas bien où étaient leurs données, ils ne savaient pas bien les gens qui étaient en train de les gérer. C'était un peu nuageux, comme on dit dans le cloud, là, pour le coup. C'était extrêmement flou. Les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas maîtriser leurs données, de savoir où elles sont, par qui elles sont hébergées et qu'est-ce qu'ils font de leurs données. C'est absolument vital. Une entreprise qui est coupée de ses data, qui est cryptologuée, elle est morte. Depuis le début de l'année 2020, les cyberattaques ont augmenté de 93%. Une entreprise met 97 jours pour se rendre compte qu'elle a eu une cyberattaque dans ses murs. Vous avez entendu parler des ransomware aussi, c'est-à-dire les demandes de rançon. Je détiens vos data, je détiens vos systèmes d'information, vous n'avez plus accès à vos données. C'est arrivé à des hôpitaux il n'y a pas si longtemps. Vous devez payer pour y avoir accès. Le coût moyen de rançonnage est de 670 000 euros par rançon. On ne parle pas d'un petit problème. On parle d'un problème qui est en croissance générale. Pour les ransomware, le rançonnage, c'est 71% sur l'année 2020 de croissance. Il est urgent de s'en inquiéter. Et malheureusement, la Bretagne est très à la bourre là-dessus. Il y a à peu près 250 data centers aujourd'hui en France, en construction ou en activité. Il y en a 5 en Bretagne. Le plus proche de chez nous, avec lequel on a eu l'occasion de pas mal discuter, c'est les gens de ex-Bretagne Télécom, BT Blue, sont à Châteaubourg. Voilà. Et quand on discute là, on s'aperçoit qu'il y a une vraie problématique de sécurité de nos entreprises, de nos PME, de nos grands groupes bretons. Il y a une problématique de souveraineté extrêmement forte. Où partent nos données ? On sait très bien que ça risque de partir aux États-Unis ou en Chine, et ce n'est pas des fantasmes ni du complotisme que de dire ça. C'est la réalité, il y a un risque avéré. Et c'est surtout aussi, en fait, quand on regarde de manière très terre-à-terre, c'est un facteur de développement économique. Un data center, c'est comme une gare de TGV. Quand vous avez des données qui circulent et qui ne s'arrêtent pas chez vous, comme une gare de TGV, vous n'attirez pas des entreprises, vous n'attirez pas des habitants, vous n'attirez pas une activité économique. Un data center, vous devez considérer que c'est exactement la même chose. En discutant avec BT Blue en particulier, mais avec d'autres acteurs, notamment à Lille, qui recherchaient des implantations dans l'Ouest, la zone Atalante est très, 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 très intéressante pour eux parce qu'il y a une pénurie, parce qu'il y a un besoin et parce que c'est une nécessité aujourd'hui de développer les data centers sur les territoires régionaux. Ça sera porteur d'emplois directs et indirects. Je pense que vous l'avez compris avec, quand je vous ai dit que c'était une entreprise. Des emplois de maintenance, des emplois de développement, des emplois de chef de projet. Beaucoup d'emplois et qu'on ne soupçonne pas quand on voit un data center. Je vais un petit peu vite là-dessus, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez après. Pour finir, c'est beaucoup d'opportunités en réalité. Pour les entreprises, beaucoup de proximité, de sûreté. C'est important de savoir où sont posées mes data. Pour le territoire, c'est un levier de développement économique qui est indéniable. Et on est en retard. On ne pourra pas laisser passer ça comme ça. Et pour les usagers, on va avoir besoin, les entreprises ou les usagers que vous êtes tous, de temps de latence de plus en plus court. L'arrivée de la 5G va provoquer des usages encore plus rapides. Si vous n'avez pas un data center régional dans lesquels vont accoster les GAFA et n'importe quel type d'usage,
On sera à la bourre, vous aurez des temps de latence qui seront lents, et c'est un petit peu comme si vous n'avez pas la fibre à la maison. Le jour où vous l'avez, ça m'est arrivé très récemment, je peux vous dire que votre vie change, et on risque de prendre du retard de manière assez colossale sur ces sujets-là si on n'agit pas assez rapidement. Et bien sûr, ça sécurisera les services publics et aussi les hôpitaux. À monter un data center ici en région, il faudra se mettre aux plus hautes normes de sécurité, aux plus hautes normes ISO, et en particulier sur les normes de sécurité des data hospitalières, très très important, et c'est ça l'ambition qu'on porte. Et le petit sous-produit qui est intéressant, un data center, oui, ça consomme de l'électricité, ça produit des calories, et il se trouve que coup de bol, voilà, j'en discutais avec M. le UG il n'y a pas si longtemps, on peut tout à fait préchauffer les eaux de baignade d'Aquamalo, qui est juste à côté. C'est quand même assez formidable ce qui nous arrive. Dernier volet. Vous voyez quand même qu'on cumule, quand même, je trouve, beaucoup de beaux projets. Et des projets très positifs et surtout qui regardent loin devant. On va regarder aussi là très très loin devant. Pour ceux qui étaient là et qui ont fait attention, durant le film, vous avez vu passer une tour Eiffel. Vous avez dû vous dire, mince, l'USSM va jouer sous la tour Eiffel, on est mal barré. Non. On est allé les voir, ces jeunes gens, vous les connaissez, ce sont des gens d'origine malouine avec Victoria et Russard. Donc c'est Energy Observer. Energy Observer a fait un événement qui est devenu mondial, hein, parce que j'ai discuté avec eux 2 jours après, et puis on était avec Victorien mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Il y a un retentissement mondial de ce qui s'est fait. On a éclairé alors nous tous, malouins, on va dire ça comme ça, on va s'attribuer cette victoire, la tour Eiffel, avec la petite boîte bleue que vous voyez en bas, là, qui n'est pas très grande, elle doit faire 2 mètres sur 2 et 70 de profondeur. Ce n'est pas du tout impressionnant. Ça dégage un petit peu de vapeur d'eau, là, comme ça. Et ça a juste une capacité de production électrique faramineuse en produisant de l'hydrogène à partir d'un électrolyseur. Les bâtiments vont être éco-conçus. Ça ne sert à rien de consommer de l'énergie verte si vous la dispersez dans la nature. Donc, on sera très vigilant sur la conception des bâtiments et la conception de tout ce qui sera entrepris sur ce site. Et on utilisera tout ce qui est sous-produit. On a parlé tout à l'heure de calories pour la piscine. On peut parler d'oxygène aussi, parce que quand on craque une molécule H2O de flotte, vous récupérez H2, puis il vous reste de l'oxygène là, que vous pouvez tout à fait rendre usager aux usagers de l'hôpital particulièrement. Et on pense aujourd'hui que on est la zone Atalante et le projet qu'on mène seraient tout à fait adaptés à l'arrivée d'un électrolyseur à hydrogène sur cette zone-là. Alors l'hydrogène, vous n'avez peut-être pas entendu parler, alors on dit maintenant que c'est la nouvelle énergie, c'est une énergie purement décarbonée. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'il faut monter là-dedans un électrolyseur. France Hydrogène a produit des documents et des études là, tout récemment. Aujourd'hui, il y a 400 véhicules légers qui roulent en France propulsés par de l'hydrogène. Ils estiment que ça sera 300 000 en 2030. Donc on est en fait au début de l'histoire. Concernant les poids lourds, je crois qu'il y en a 20 aujourd'hui qui roulent à l'hydrogène. Ils pensent qu'il y en aura à peu près 5000 et un peu plus à l'horizon 2030. Donc on est au début de cette histoire de l'hydrogène. C'est complètement maîtrisé. Si on a réussi à éclairer la tour Eiffel à Paris, on y était, il n'y a aucun niveau de sécurité particulier. C'est aujourd'hui, c'est pas banal, mais presque technologiquement parlant. En tout cas, on pense que ça serait bien. Et donc, on est au début de l'histoire. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que ce qui est renvoyé souvent aux gens qui sont porteurs de projets hydrogène, c'est vous n'avez pas les usages qui vont avec. Où sont les usages? Où sont les usages? Où sont les usages? Sur la zone Atalante, on va venir avec les navettes qui vont relier le port à la zone Atalante, les petits porteurs qui vont repartir depuis la plateforme de mutualisation du dernier kilomètre vers l'ensemble de l'agglomération. Le data center, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour la sécurité électrique, il faut des groupes électrogènes généralement. Et bien là, on aura un backup power, comme ils disent, propre avec une source d'énergie hydrogène et bien sûr l'énergie consommée sur le site. Mais on peut aussi imaginer au fil du renouvellement des véhicules de bus, des bennes de l'agglomération, on pourra être aussi à même
de fournir de l'hydrogène pour l'ensemble de ces véhicules-là. Donc, voilà, on est, je pense, là au cœur de quelque chose d'important, et puis surtout une décarbonation totale de l'énergie. Et Fabrice disait tout à l'heure que ce n'était pas cosmétique. Vous vous rendiez bien compte qu'on a mis la barre suffisamment haut. Ça ne l'est pas, et c'est complètement réalisable aujourd'hui. Un petit peu en synthèse de tout ce que je viens de vous dire là, on revient sur les jeunes, c'est très important. Je vous ai fait juste un petit focus. On a la chance d'avoir le vice-président de Rennes 1 qui est ici. Bien sûr, l'université de Rennes 1, Centrale Supélec, les mines, ils ne sont pas loin. Ils sont tous porteurs de formation, de master autour de la cybersécurité, autour des infrastructures cloud, autour de l'énergie. Si on va juste, on traverse juste la route, là, vous voyez, on va juste aller côté de l'IUT, là. Si vous regardez ce qu'ils sont capables de mener, il y a aujourd'hui des BUT, des licences pro, qui sont intimement liées à tous les projets dont je viens de vous parler. Ça concerne bien sûr la cybersécurité, les infrastructures IT, télécom. Ça concerne aussi la maintenance et le génie industriel. Mais ça concerne aussi, vous le voyez, bon, le réseau télécom, ça concerne aussi, vous le voyez, la conception, le pilotage de la chaîne logistique globale. Donc on a une chance incroyable d'avoir un pôle universitaire là, tout près, extrêmement actif, très en lien avec ce qu'on est capable de faire là. Et donc on pourra être pourvoyeur, bien sûr, de synergie, de peut-être même, je pense, d'accélérer aussi ce qui se passe ici en local en termes de formation. Et puis on a un terrain de jeu formidable juste à côté, et très clairement assez en avance par rapport aux usages, par rapport aux technologies et par rapport à l'ensemble du concept. Je pense que ça sera extrêmement porteur et très positif. Pour finir, c'est un petit peu la slide de fin, mais je vous ai déjà tout dit, en fait. Marc, je pense que tu as tout compris. Ah, j'ai tout compris. Tu as tout compris, oui, voilà. Donc, on est parti du foot. Bien sûr que c'est quand même l'objet, l'ambition initiale. Une ambition sportive, une ambition très forte autour du football. Mais à partir d'une inspiration et à partir surtout d'une volonté de développement de territoire et de développement de nouveaux métiers, d'efforts faits pour la jeunesse et pour la modernisation de l'image du territoire de Saint-Malo, je pense qu'on a réussi à agréger pas mal de sujets. Je vais juste pour le petit mot de la fin, si tu me permets. Je te permets. Donc voilà, donc je reprends ma casquette d'indépendant. Déjà, je veux remercier l'USSM voilà, de m'avoir fait travailler sur un truc comme ça. Ils sont fous et ils ont raison. Je pense là, pour habiter dans le coin depuis déjà longtemps, on ne dira pas les chiffres, mais ça commence à faire un bout de temps. Je pense que des projets comme ça, et je parle à titre personnel, mais je pense que vous pourrez le reprendre tout dans votre tête, on n'en voit pas passer un tous les 20 ans. Il y a un train qui passe là, il est là, ça se fera sous cette forme-là ou sous une autre, on serait fou de passer à côté. Et je pense qu'il faudra absolument embarquer avec nous. Merci François, super. Ce que j'ai retenu aussi, François, emplois directs et indirects, on parle de 350, 400 emplois, c'est ça, entre toutes les activités annexes créées, data center, énergie verte, premier, dernier kilomètre, business center. Donc, ce n'est pas négligeable à l'échelle du territoire. Maintenant, il va falloir mettre les chiffres en face. Il va falloir un montage juridique. Pour vous parler, parce que j'ai regardé un petit peu dans l'assistante, même si on est très éclairé, certains visages sont en train de se dire « Ouh là là, ça va coûter combien ?» Donc effectivement, là, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Je vais appeler M. Patrice Coïc, qui est maître chiffre de l'US Saint-Malo, puisqu'il en assure la fonction de trésorier. Bonjour. Alors, Yves, en introduction, nous a parlé du qui et du pourquoi l'US Saint-Malo porte le projet de la SAS d'Eterneva, stade d'Eterneva, pardon. L'équipe, le quoi, il a été abordé en fait par notre équipe de la 3F. J'ai vu Pierre Sansonneuf passer tout à l'heure, il nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui.
Pierre a œuvré à la Fédération française de football. Nous, chez nous, on a aussi la 3F. Et la 3F, c'est Fabrice, Fabien et François. Et pour eux, j'espère que vous allez les applaudir chaleureusement parce qu'ils ont fait un très, très gros travail pendant 4 semaines. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Là, tu es allé la chercher très loin, ça. Là. Ah, oui. Mais elle m'est venue comme ça, là. J'ai croisé Pierre. Et bah, bravo, voilà. Patrice. Bon, moi, ça va être... Alors, pour ma part, en fait, ça va être moins drôle, mais plus court. Il est presque midi, ça va se faire en 10 minutes. Je vais vous parler maintenant du comment et du combien. Alors, le comment, en fait, c'est comment juridiquement on peut mettre ça en œuvre. Le combien, vous avez tous compris de quoi il s'agissait. Quand on a donc imaginé le projet, on s'est dit, il y a plusieurs solutions pour le mener. On a tout de suite écarté une solution qui est pourtant une solution qui est encore très généralement utilisée de nos jours pour ce type de projet. C'est la solution du 100% public. Quand je suis arrivé en 2005 au club, à l'époque, Roland Beaumanoir était président. Et Roland m'avait donné une feuille de route. Ça tenait en 2 phrases. La première, c'était essayer de gérer sainement les finances du club. Et le deuxième point, c'était ne pas recourir systématiquement à la collectivité publique, le moins possible. Il a été précisé tout à l'heure, en fait, que notre modèle économique de fonctionnement aujourd'hui, il repose, on a évoqué 75%, en ordre de marche. Avant le Covid, on est plutôt même à plus de 80% sur des ressources privées. D'ailleurs, quand on va à la DNCG à Paris, ils considèrent en fait que nous sommes probablement en fait un des clubs les plus à l'envers par rapport au modèle qui circule encore tous les jours dans la gestion des clubs de football amateurs en France. Ce que je peux vous dire là, c'est que on ne va pas changer nos habitudes aujourd'hui. On va rester en fait sur notre modèle. Alors, on a évoqué le 100% public. On l'a complètement écarté. On s'est dit, si on ne peut pas le faire avec le public, on va essayer de le faire au niveau privé. Alors, c'est un modèle très rare, hein, le modèle privé en France. Il doit y avoir, dans l'élite, hein, bon, si tu passes ce niveau-là, dans l'élite, on doit avoir un club de Ligue 1 en football qui l'a fait. On doit avoir 2 clubs du top 14 dans le rugby. Voilà, on se heurte ici à 3 problèmes. Le problème, c'est un problème de fonds propres. Un club, il n'a pas de valeur patrimoniale. Donc, on a un problème de garantie. De fonds propres. Et on a un problème du coût de financement. Quand on va voir les établissements de crédit, on ne peut pas financer ces établissements, ces stades, en fait, sur une durée trop courte. Donc on a également en fait, évacué en fait, le 100% privé. On a donc regardé un peu ce qui se faisait en fait, sur les autres montages. Il y a une solution qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le PPP. Alors c'est quoi? C'est le partenariat public-privé. Alors cette solution-là, elle est intéressante. Elle est intéressante du point de vue de l'effet de levier financier. C'est un peu technique, mais juste pour vous dire, quand on apporte 1 euro au niveau du privé, le public en amène 1, et la banque, elle vous en prête 8. Alors c'est très intéressant. Mais ça présente en fait un gros, gros inconvénient. L'inconvénient qu'on y voit, c'est que on est obligé de recourir en fait à la commande publique. Et de ce qu'on a vu aujourd'hui, la commande publique, malgré tout, elle a tendance en fait à avoir un coût de construction sensiblement plus élevé que quand on le fait en privé directement, et les délais de réalisation sont beaucoup plus longs. Donc, assez rapidement, on s'est trouvé un petit peu bloqué. On n'avait pas de solution à proposer. Une fois qu'on a dit ça, Patrice, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous, à la commission juridico-financière, vous avez fait? On s'est arrêté là, on stoppe tout, on arrête le projet, on n'a pas de solution juridique à apporter à la taille et à la dimension de ce projet-là. C'est pas dans l'ADN du club et c'est surtout pas dans l'ADN des Malouins.
Alors, ce qu'on a fait, en fait, comme d'habitude, on a pris beaucoup de contacts. On a pris beaucoup de contacts au niveau économique, hein, je vais en parler tout à l'heure. On a également pris des contacts au niveau de cette problématique juridique. Sur les conseils d'un de nos partenaires, en fait, on a pris contact avec Maître Briec. Maître Briec est avocat spécialisé en fait en droit public des affaires. Il travaille en fait au cabinet Ernst & Young de Nantes. Et il a conseillé de nombreux en fait projets de stade, en fait, notamment à Metz, à Nice, à Bordeaux, à Nancy. Et plus près de chez nous, il a conseillé en fait dans le handball la Glace Arena à Cesson, le rugby à Vannes, et actuellement il est en train de conseiller en fait le Stade Brestois, le football à Brest. Donc je vais répondre à votre question du comment avec le projet, le schéma juridique qui est projeté à l'écran et que je vais vous commenter. Il va s'agir tout d'abord en fait de créer en fait une société commerciale qui est une SAS, une société porteuse du projet, qui est le Stade des Terre-Neuve, on pourra l'appeler comme ça, qui sera, elle, en fait, dans son capital, détenue à la fois par un consortium privé et d'autre part par une société d'économie mixte locale à créer. À notre connaissance, en fait, il n'existe pas de SEM sur le territoire de Saint-Malo. C'est là aussi en fait une très belle opportunité d'en créer une. Elle pourrait avoir comme objet social en fait l'aménagement du territoire et pourrait démarrer sa vie en fait par justement porter ce projet-là, mais également tous les projets à venir et futurs en fait sur les territoires malouins. Cette société d'économie locale à créer elle-même sera détenue dans son actionnariat par Saint-Malo Agglomération, puisqu'en fait, c'est elle qui, aujourd'hui, en fait, gère Atalante, mais également par d'autres collectivités publiques. Alors, ça peut être des communes, ça peut être la ville de Saint-Malo, ça peut être le département d'Ille-et-Vilaine, ça peut être aussi la région Bretagne. Et là, on en a parlé avec lors de nos échanges, en fait, avec des gens qui se portent candidats à la région Bretagne, ils sont assez intéressés par la solution. Et également par un organisme privé, au moins à hauteur de 15%. Ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est qu'en fait, Saint-Malo Agglomération va rester propriétaire du foncier. La SAS Stade des Terre-Neuve va construire, mais en fait, la Saint-Malo Agglomération va rester propriétaire du foncier à travers un outil juridique qu'on appelle une AOT, une autorisation d'occupation temporaire, qui peut aller jusqu'à 99 ans. Alors, que va faire la société porteuse du projet ? Elle va construire le stade, les terrains, le centre de performance, le QG. Et donc, elle va avoir des usagers. Elle va avoir principalement l'US Saint-Malo. Elle va avoir, en fait, des bureaux. Elle va avoir un restaurant, un data center, une plateforme logistique. Avec tous ces usagers-là, la société Stade des Terre-Neuve va donc contractualiser un bail commercial et donc encaisser des revenus locatifs. Donc voilà pour le schéma juridique. Alors maintenant, la question importante du combien. Alors le combien, de la même façon que pour le schéma juridique, on a en fait contacté beaucoup de personnes, hein, des entreprises de la promotion immobilière, du bâtiment, des travaux publics, des bureaux d'études, des énergies renouvelables, dont beaucoup d'ailleurs sont déjà partenaires de l'US Saint-Malo. Nous avons visité des stades. Nous sommes allés à côté de Saint-Étienne, en fait, visiter un stade d'une capacité à peu près similaire. Et nous sommes en fait également en fait allés voir la Glace Arena à Cesson. Nous avons accueilli également Jérémy Moulard, qui est chercheur en management du sport et qui est un expert des stades en France et en Europe. Le schéma financier est le suivant. Donc, c'est une enveloppe, un projet aux alentours de 35 millions d'euros qui va se financer comment ? Qui va se financer en fait à la fois par un apport de fonds propres du consortium privé et de la société d'économie mixte locale pour
12 millions, 6 millions chacune. Cet apport de fonds propres va nous permettre de lever un emprunt bancaire de 23 millions qui, lui, sera finançable et remboursable sur 40 ans, ce qui nous laisse de la perspective. Et c'est tout l'intérêt du montage, c'est qu'en fait, le remboursement annuel qu'il va falloir en fait mettre pour rembourser tous les ans cet emprunt est de l'ordre de 800 000 euros avec les taux d'intérêt actuels. Donc le challenge qui s'offre à nous, c'est en fait de pouvoir en fait rembourser par les revenus locatifs cette échéance tous les ans. Donc, on a besoin de la puissance publique ici pour garantir l'emprunt auprès des établissements de crédit. Retenez aussi que Saint-Malo restera propriétaire du foncier et donc des constructions réalisées sur son sol à l'issue de l'AOT. Et que finalement, le sujet, il n'est pas trop financier. On sollicite aujourd'hui un apport en capital, certes, de 6 millions d'euros auprès de la société d'Economix pour pouvoir permettre ce projet hyper ambitieux. Mais ça repose en fait sur des revenus locatifs intégralement de sources privées. Donc j'avais bien dit en préambule en fait que nous n'avions pas l'intention de changer nos bonnes habitudes. Au contraire, on va continuer à avoir des bonnes habitudes. Mieux même, ce projet-là va être générateur, on l'a vu tout à l'heure, avec les nouvelles activités, être créateur de valeur ajoutée additionnelle sur et pour le territoire. Donc, on n'a qu'un seul mot, embarquez avec nous. Merci Patrice. Voilà, on a fait le tour des trois volets sportifs, économiques, juridico-financiers. On va peut-être mettre un tout petit peu de lumière dans la salle et vous avez très certainement, parce qu'on vous a promis une prise de parole, une interactivité, vous avez très certainement des questions à nous poser aux différents intervenants qui se sont succédés sur scène. Donc surtout, n'hésitez pas, Carla et Léa, si vous êtes dans les starting blocks pour les micros, ceux qui ont des questions, si vous pouvez lever la main, qu'on vous voit. Est-ce qu'il y en a? Moi, j'ai éclairage enfin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Ici. Voilà, Carla, au troisième rang. Oui, bonjour. Olivier Augier, conseiller municipal à Saint-Jouan-des-Guérets. Donc, moi, j'admire votre enthousiasme et je ne regrette pas d'être venu. Je voudrais quand même surtout m'adresser à Monsieur Fantou. Il a un petit peu tort de, je dirais, snober un petit peu la commune de Saint-Jouan ou les élus de Saint-Jouan. Il faut admettre qu'on a le droit d'être un petit peu échaudé par les différentes annonces qui ont été faites sur la zone d'Atalante. Je ne reviendrai pas sur l'historique, mais ça fait à peu près 80 ans que les Malouins viennent faire un petit tour sur notre zone historiquement de Blanche-Roche et puis s'en vont assez rapidement en ayant laissé des traces ou même pas de traces du tout. Donc, Atalante, là, c'est né d'il y a une vingtaine d'années, je pense, à peu près. On a vu arriver Guémard. Et puis, entre Guémard et puis Aquamalo, il ne s'est quasiment rien passé. Donc, on avait lieu d'être un petit peu inquiet. Moi, à l'époque, donc en 2008, quand j'étais encore conseiller municipal de la majorité, on avait été soufflé de voir comment le projet avait ignoré Saint-Jouan. À l'origine, la voie, par exemple, arrivait de Saint-Étienne, pour ceux qui connaissent bien Saint-Malo, de ce coin-là, et c'était un cul-de-sac. Atalante ne débouchait pas sur Saint-Jouan. Donc, on a réussi, là, je dis, à faire un petit peu évoluer les choses et on peut aujourd'hui circuler au moins à travers des voies douces vers Saint-Jouan. Donc, il faut quand même prendre clairement en compte que vous allez devoir déposer un permis de construire sur la commune de Saint-Jouan-des-Guérets et que, contrairement à ce qu'il se dit un petit peu, la maire de Saint-Jouan ne pourra pas franchement vous refuser le permis de construire ou vous l'accorder comme ça par fantaisie. Il y a des règles qui existent. Donc, on a déjà un petit peu tordu les règles pour Aquamalo. Bon, le projet, il existe aujourd'hui. Il faut faire attention à associer comme il faut la commune de Saint-Jouan-des-Guérets. Vérifier, par exemple, je ne suis pas sûr qu'en matière d'infrastructure routière, on soit capable d'accueillir à nouveau de tels flux. Mais par contre, ce que je suis content de voir aujourd'hui, c'est qu'Atalante redevient au cœur du débat
parce que c'est une zone qui est abandonnée, je dirais, depuis une quinzaine d'années. Ça n'a pas beaucoup avancé. Donc, au moins un bon point que je vous donnerai, c'est si votre initiative aide à bousculer un petit peu les institutions publiques pour faire en sorte qu'Atalante soit vraiment à la hauteur des ambitions qui ont été mises, ce sera très bien. Yves ? Oui, je pense que c'est à moi de répondre. Effectivement, je suis sans doute... désolé pour la commune de Saint-Jouan, mais en tout cas, il n'a jamais été question de stopper qui que ce soit. Nous sommes allés voir l'aglo, et même après, une fois qu'on a vu les trois vice-présidents, qui je vais voir ? Moi, c'était pas, l'idée n'était pas de chinter finalement les trois vice-présidents qu'on avait vus pour aller voir les différentes communes et les différents vice-présidents. On attendait, nous, finalement, les résultats de cette étude et de cette enquête. S'il y a des choses, je vous dis, on est vraiment très apaisés. Désolé pour la maire de Saint-Jouan. On serait allé la voir de toute façon à un moment ou à un autre. Et j'espère même qu'on aurait pu avoir et qu'on va avoir la possibilité de faire cette présentation aussi à l'ensemble des maires de l'aglo. On attend que ça. Aujourd'hui, c'est un petit échauffement pour nous, hein, pour présenter ça justement à tous ces élus. Donc on est totalement apaisés et bien d'accord avec vous sur l'idée que la zone est une zone, quand même, François en a, l'a vraiment souligné, qui est une zone exceptionnelle pour ce qu'on a à faire. J'espère simplement, mais j'espère lancer le projet, mais si ça s'arrête dans 90 ou 99 ans, je ne serai pas là, mais je souhaite que ça continue après derrière, quoi, de toute façon. Mais en tout cas, hors de question de snobber qui que ce soit, et d'abord, ce n'est pas du tout dans notre nature et dans notre façon de faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, non ? Oui ? Ah, avec éclairage, je ne vois pas. Bonjour, je suis Virgilio Los Santos, je représente le 15 Corsaire à Saint-Malo. Guy Villon n'a pas pu être là aujourd'hui parce que les matchs reprennent. On est bien heureux d'ailleurs que ça reprenne, on est ravis. On est ravis aussi que ce projet aboutisse enfin aussi bien structuré, aussi bien financé apparemment, pour nous laisser la place effectivement à Marville, parce qu'on a nous aussi un projet sportif ambitieux. Nous aussi, on aimerait que Vannes vienne jouer... En match d'exhibition, non pas contre nous, parce qu'on est un peu faible en ce moment, mais contre, par exemple, REC, ça serait une belle image du rugby breton. Et si ça peut se passer au stade des Terre-Neuves, ça serait formidable, en fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ce n'était pas une question, c'était un soutien. Merci beaucoup. Merci. Merci, Virginie. Ici. Oui, bonjour, Henri Lorenzi, La Taverne à Saint-Malo. Je trouve ce projet absolument fabuleux, mais il me manque juste, moi, quelques petites notions de timing. C'est quoi vos objectifs de temps ? Bien que j'ai cru comprendre qu'il y aurait quelques difficultés, mais dans l'absolu, c'est quoi ? Parce que le projet sportif que j'ai entendu, c'était 2021-2025. Et là, en termes d'objectifs de temps, c'est quoi ? On est, enfin, pour nous, on est dans ces eaux-là. Après, vous avez bien compris qu'on n'était pas tout seul à décider. Mais enfin, l'idée, c'est quand même d'avancer. On a besoin d'avancer. Mais vous donner une date précise, c'est pas moi de le faire. On va rencontrer, j'espère, rapidement les élus et pouvoir avancer ensemble sur ce projet et là définir un calendrier. D'autres questions ? Oui. Bonjour, Yannick et Commission. Marc, t'es pas sûr que je pose une question. Non, j'étais sûr que je sais pas laquelle, mais j'étais sûr que t'allais poser une question. Bon, c'est un très beau projet, et pour le présenter comme ça, vous avez forcément été beaucoup plus loin que les cinq autour de la table que je vois. Il y a forcément des équipes à la fois en maîtrise d'ouvrage et en conception qui ont bossé dessus. Les jeux sont faits ou pas ? Non, Yannick, il reste de la place. Non, il n'y a rien de fait. Mais effectivement, alors, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, on a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise, pas spécialement dans le bâtiment, hein, bien évidemment quelques-uns, mais tout ça, c'est issu de nombreuses réunions qu'on a pu avoir depuis le début de l'année. Là, et ça s'est vraiment enchaîné. Et avec à chaque fois des choses nouvelles qui sortaient quasiment de chaque entrevue, ce qui nous a permis de monter un dossier qui nous semble assez cohérent.
En tout cas, moi, je suis candidat au consortium privé. Top, merci. Merci, 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 ça commence. Merci, merci, Yannick. Merci, Yannick. S'il y a d'autres candidats, vous pouvez vous déclarer tout de suite. Hein, y a vraiment pas de problème. Est-ce qu'on a préparé des bulletins de souscription? T'inquiète, non. Je vais refaire un petit papier. Oui, bonjour. Je suis Jean-Pascal Gaillan. Je suis professeur de sciences économiques. Il y a 5 ans, j'ai fait une communication au ministère des Sports sur le modèle économique des stades en Europe. Et à l'issue de cette communication, je concluais que dans de nombreux cas, tous les modèles où il n'y avait qu'un stade sans autre activité que le sportif, on arrivait à des gouffres financiers à peu près partout. Et là, j'ai vraiment une présentation sous les yeux de quelque chose qui est extrêmement astucieux, extrêmement abouti, et qui est vraiment un modèle du genre. Donc je pense que là, le travail qui a été fourni est extrêmement avancé et dans le sens d'une très belle utilisation de l'argent public et privé, en ayant pensé très en amont quelque chose qui, à mon sens, pourrait être un succès remarquable. Donc vraiment, je suis impressionné par la qualité de ce qui a été fait. Merci Jean-Pascal. Merci, merci beaucoup. Merci. Oui, en haut. Merci Jean-Pascal, mais ce qu'on veut surtout, c'est jouer au foot. Hein. Et comme le départ, comme tout notre travail avec les partenaires, ce qu'on veut, c'est ça. Et comment on s'organise pour le faire? Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Damien Villot, je suis huissier de justice à Saint-Malo. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est une fois que vous aurez l'accord de l'agglo, des mairies, c'est-à-dire que tout le monde sera d'accord avec votre projet, dans quel délai, une fois cet accord obtenu, allez-vous pouvoir déposer vos permis de construire? Alors ça, ce sera sans doute à voir avec la mairie de Saint-Jouan. Mais on ira au plus vite. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes qui peuvent répondre à la question. Dès qu'on aura le... Enfin voilà. Mais dès que possible, de toute façon, pour nous. Mais le travail n'est pas fini. Hein, le travail n'est pas fini, le travail continue. On peut peut-être prendre un exemple pour répondre à la question. Et là, je m'adresse aux initiés. Peut-être à M. Augier, qui a vu la construction sur son territoire de Cap-Malo. Entre la signature du permis et la construction de Cap-Malo, le délai de temps, laps de temps. C'était très rapide, mais le promoteur du projet était aussi le propriétaire du terrain. D'accord. Et très rapide, vous avez une notion de temps, une échelle de temps à nous donner? Moins de 3 ans, monsieur. Merci, merci beaucoup, merci. Bonjour, Pierre-Maxime Renon, donc je suis chef d'entreprise. Je vais commencer par vous féliciter, parce que c'est vraiment un très beau projet, dans tous les domaines, en fait. Je suis particulièrement touché, parce que j'ai déposé un projet pour répondre à l'appel à projet du pôle de vie sur Atalante. Et donc je voulais voir un petit peu avec vous si... Forcément, il y a un moment où, quelque part, on est un peu en concurrence et en même temps, ce n'est pas à nous de décider. Si jamais votre projet est suivi par l'agglomération, comment ça se passe pour la partie restauration? Comment vous allez envisager? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous allez envisager de vous-même poser un appel à projet? Comment ça se passe? Non, pour l'instant, il n'y a rien d'envisager. Enfin, vous avez vu les grandes lignes. Nous, ce qu'on vous a proposé, ce sont des usages. Et bien évidemment, les uns et les autres... J'ai un copain restaurateur qui est là aussi, on verra ce qui pourra se passer. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien de déterminé sur tous les usagers. On a finalement, même sur la partie restauration, pour l'instant, on n'a vraiment aucun contact. On en a un petit peu plus, François, sur des choses comme le data center, sur des choses comme ça, sur l'utilisation des bureaux. On n'arrive pas comme ça en vous disant, voilà, on est à 2000 m², il nous faut 4000. On n'arrive pas comme ça devant vous en n'ayant vu personne avant, quoi. Donc, bien évidemment que sur ces sujets-là, on a vu déjà des gens qui sont partants. Donc, sachez, comme monsieur Labac, d'accord. Mon appel à projet, j'y ai répondu avec pas mal de... On a bien entendu. Voilà. Merci. Autre question? Oui, il y en a juste devant toi, Carla. Pardon, j'avais... Excusez-moi. Bonjour. Donc, moi, Aurélie Chollet, je vais représenter l'Aspresica aujourd'hui. Donc, déjà, je voulais vous féliciter parce que votre projet est très, très séduisant. Par contre, il nous pose quand même un petit souci, parce que je pense que la plupart des chefs d'entreprise dans la salle ici savent qu'il n'y a plus de place dans les zones de Saint-Malo pour implanter de nouvelles entreprises. Excusez-moi.
Les seules places restantes sont à Atalante. Il y a déjà des entreprises qui ont pré-réservé des terrains à l'endroit où vous souhaitez vous installer. Qu'est-ce que vous allez faire d'elles, de ces entreprises-là ? Alors, nous, on n'a pas ce sentiment-là. Enfin, peut-être qu'on se trompe. Hein. On n'a pas tous les éléments. On n'a pas ces sentiments-là que toute la zone soit totalement occupée. Déjà pour commencer. Pas pour l'instant, mais il y a quand même pas mal de réservations. Il y a eu une autre chose autrement qui a été... Je pensais que vous alliez parler d'un autre sujet pour Asprezica, c'est le stationnement des poids lourds, oui. Qui là aussi pose un problème et sur lequel on travaille également. Voilà, mais alors peut-être qu'il y a des pré-projets qui sont lancés sur cette zone-là. Voilà, mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, on n'a pas vu de grands projets, un petit peu tels que celui-ci. Mais bon. Mais ben, on se rend peut-être, hein, peut-être qu'il y a quelque chose demain qui vont nous dire, voilà, écoutez, ces terrains-là sont pris pour tel projet qui est un grand projet, parce qu'il faudra que ce soit vraiment, qu'ils nous expliquent vraiment que ce soit un grand projet pour y arriver. C'est une zone, à la base, pour des entreprises, quand même. Bah, la vocation de la zone a évolué, parce que les entreprises ne sont pas arrivées. Au départ, c'était des métiers, des technologies nouvelles autour de la mer. Et donc, pour l'instant, il y a Goémar qui est là. Et puis bon, et quelques amis qui sont là aussi, également sur la zone. Mais bon, à mon avis, il reste quand même un petit peu de place. Ok. Par contre, pour le parking poids lourd, oui, on est là, on vous rejoint complètement. Ce serait vraiment super. Oui, mais on travaille là-dessus et on travaille justement sur le stationnement des poids lourds, notamment pour les gens qui arrivent au port. Enfin, François en a parlé tout à l'heure, peut-être pas suffisamment détaillé, mais sortir plus rapidement possible aussi les remorques des bateaux, ne pas encombrer le port. Enfin, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Mmh. Et le stationnement des poids lourds sécurisé. François n'en a pas parlé là, mais on a vu aussi les gens d'Asprezica sécurisé avec des chauffeurs aujourd'hui qui dorment un petit peu n'importe où dans Saint-Malo, et là donc on pourrait les mettre en sécurité avec des douches, avec le restaurant pas loin. Enfin voilà, on réfléchit à tous ces sujets. Puisque c'est un pôle logistique qui reste quand même très important à l'entrée de la ville, on ne va pas le retrouver ailleurs. Merci. Autre question ? Non. Eh bien, une fois, autre question, deux fois, autre question, trois fois. Il va être pour nous le moment de vous remercier, d'une part, Marc, et de conclure. Marc, oui. On n'est pas tout seul. Il y a tous les membres du conseil d'administration qui sont là. Si vous voulez vous lever, simplement. Ouais, y a voilà. Pas, voilà, y a, voilà, les membres du conseil Pierre, tu peux y aller. Hein. Pierre Samsonov nous rejoint donc à la prochaine AG. Voilà, merci à tous. Voilà, donc... vous montrer que tout ça sont des projets qui sont collectifs. Voilà, on est tous ensemble sur ces sujets-là. Un grand merci à toi, Marc. Mais de rien, Yves. Non, mais si, si, si. À votre service, c'était parfait. Monsieur le Président. Et puis surtout, on a tellement, tellement besoin d'enthousiasme, surtout dans les moments là qui viennent et dans ce qui se passe là. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a enthousiasmé. Merci à mes quatre copains là, qu'on présente avec moi. Merci aux uns et aux autres pour tout le travail accompli sur ce projet. Et puis merci à tous d'être là ce matin et puis embarquer avec nous. Voilà, moi je vais compléter les remerciements du Yves en remerciant Fabrice, Olivier, les équipes de Loops à la technique. Je vais remercier les équipes de Loïc au Ciné-Vauban qui nous ont gentiment accueillis. On a fini tard ce matin ou tôt ce matin, tard hier soir. Je ne sais pas tellement où mettre la limite. Je vais remercier également Carla qui était notre hôtesse et Léa qui étaient nos hôtesses d'accueil. Voilà. Et je vais vous remercier vous aussi, Sophie qui a géré les relations presse. Elle est là, Sophie. Donc merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour vous présenter cette projection du stade des Terre-Neuve. On va passer à la dernière slide parce que pour moi, elle est hyper importante. À partir de ce soir, 18 ou 19 heures, et là, je m'adresse aux membres de la commission communication, puisque la captation, l'intégralité de cette conférence, de cette présentation a été filmée. Il faudrait que ça soit sur nos réseaux sociaux et notamment sur la plateforme YouTube dès ce soir à partir de 18h, 19h en fin de journée. Incitez, partagez, likez, commentez, aimez. Voilà, si on en croit vos questions et l'enthousiasme que vous avez dégagé à travers celle-ci, vous partagez pleinement comme nous l'ambition de voir ce projet se réaliser, eh bien, embarquez tout simplement avec nous. Merci beaucoup. Voilà, et je souhaite demain aux mamans des bonnes fêtes des mamans. Oui, voilà, juste ça, Yves. Non, juste ça, mais moi, je voulais dire, pas terminer, parce qu'on a, quand on voit les ballons, on a vraiment envie de jouer. Donc, vive le foot, vive l'US Saint-Malo, et puis embarquez avec nous. Merci beaucoup.